Bonsoir, bienvenue dans le live de vos nuits. Bon, pas le temps de jouer à Suikoden. Moi, je vous laisse l'intro. Ouais, on va faire ça. Ah, salut le bot, t'es enfin arrivé. L'ami con présente Suikoden du. Forme. Oh. Cette musique qui gueule, c'est tout. Ça c'est Berserk. Ah, j'avais dit chute. Les guts. Il y a l'arbre Mojo. Ah, j'espère par contre qu'on se la retape pas quand tu fais une nouvelle partie. On le troll. Fin. Allez, petite nouvelle. Ah, c'est vrai, la croix directionnelle. Ce jour, on peut pas y jouer au joystick. Ah. Je sais comment tu vas t'appeler. Par contre, tu sois pas un peu fort là, je trouve. Ah ouais, un peu beaucoup. Ah oui. Pourquoi t'es si fort, toi? Ouf, il a pas aimé que je fasse ça. Voilà. Il est déterminé. Ok. Oui, bien sûr. J'en ai pas. Koden 2. Tu t'es déjà changé. Tu es bien pressé. Koden 2.
Moi aussi, je pensais rentrer à Kiaro. J'avais hâte de retirer cet uniforme puant. Je crois qu'il le retirera jamais, en fait. Que donnes-tu? Nanami doit certainement être impatiente de te revoir, non? Elle n'a que toi depuis que Maître Gendaku est mort. C'était pas cette guerre. Maudite guerre. Enfin. On va dormir bientôt. Ou bien tu veux prendre le frais. La nuit est belle. Ok. Ok, je pars avec toi. Ok. C'est Joey Joa. Joey Joa. Bonjour. Zut. Bonjour. Je ne crois pas au traité de paix de la ville d'État et je suis prêt à donner ma vie pour défendre le royaume. Hey, il faisait semblant de dormir. Je suis heureux qu'on ait signé le traité de paix. La guerre, c'est épouvantable, je dois seulement rentrer chez moi. Ok. Ah, il est obligé de crier pour qu'on l'entende, hein. C'est logique. Au réglage, vitesse des messages. Merci, au revoir. Transparent. Voilà. Oh, c'est ouf ça. Il y a une séparation. C'est rare. C'est rare dans les jeux d'époque. Attends, il y a peut-être des trucs cachés dans cette caisse. Crois que je pourrais courir. Le mec déjà. Ah, maintenant. Tu as pas de diagou. Rien dans cette botte de foin. Ah, connais-tu? Tu as déjà changé? Ce capitaine sera en colère, mais je comprends. Cette lumière pue un peu. Je crois qu'ils aiment pas l'uniforme. Ah, finalement rentré! On n'est jamais allé en front. Et j'en suis très heureux. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Ce ne sont pas les fières paroles d'un soldat Highland de la brigade Unicorn. Ah. Toi aussi, tu te sens hyper démonstratif, Conan 2? Ah, tu le vois déjà dans les bras de ta mère? Ok. Ces deux-là sont toujours en train de se chamailler. Mais je les comprends. J'adore la baston. Ok. Ish. Ah. Ça va? Dérangé, je me mets là? Pire gars. Je me casse. Par contre, les diagonales, j'aime bien ça des fois dans les jeux. Oui, écoute ça. J'allais prendre mon tour de garde ce soir quand le capitaine m'a dit de laisser tomber. Là, ça doit être le traité de paix, j'imagine. Attendez, juste un truc. Est-ce que je suis un connard? Non, ça va. Ça va, j'ai pas oublié de remettre le micro, je suis un énorme connard. Ah, je suis drôlement excité. Ah, ça fait plus d'une semaine que je ne suis pas rentré. Ah, j'ai hâte de voir ma mère. Je ne veux pas savoir, monsieur. J'ai été rentré là? Vous deux, où sont vos uniformes? Pardon. Bon, ça passera pour cette fois. Rentrez à la tente et allez dormir. Bien, mon capitaine. Non, j'ai pas envie. Je fouille dans ta chambre. Oh, rip. Les runes, si je me souviens bien, c'est les magies, non?
Ah, c'est super efficace! Salut RM, merci pour le beat. Eh, hey, écoute ce bruit. Futur sample. retournons les musiques. Ah mais quoique, c'est pas une musique. Oh, on essaye. Hein. Non. Oh. Attends. Vraiment. Ok. Ce bruit sera constamment là. Oh. Je voulais qu'il soit propre. Ouais. Ah, je suis vanné. Ah, je vais pas tarder à me coucher. Ok. Bah, c'est bien. On est tous Razak, c'est temps de partir là-bas. C'est cool. Hey, Coden 2, Joey, il faut se dormir, sinon le capitaine va se fâcher. C'est un peu comme notre maman. Cassons-nous. C'est le mec qui commence là. Je m'en vais. Pourrait-on avoir un autre endroit sans musique comme ça et sans effets sonores? Attends, là peut-être que ça marchera. Je veux ce son. Ah. Je pense que je vais faire un live. Non mais il y a toujours un bruit constant. Au secours. Oh, on trouverait une zone où il y a pas de bruit de fond. Avant qu'on ne puisse faire le coin-coin. C'est vrai que je vois comment les mettre en point de chaîne aussi. On mettra des sons à la con, des proutes, des coin-coin. Ah, c'est pas que je trouve, c'est que faut que je regarde surtout. Ah, j'ai presque fini ma garde, mais qui a besoin d'un sentier au fin fond de la montagne? Je sens que ça va partir en couille. Je ne sais pas pourquoi. Dire que l'un des plus beaux jeux de la PS1 en termes de RPG, c'est Digimon World 2003, en termes de 2D. Ah, qu'on a deux. Quand on sera rentré à Kiara. Ah, ta sœur et moi, nous. Ah, j'ai allé. Fais gaffe, hein. Lui cligne des yeux, c'est ouf. Ouais, je te regarde. Toi, tu clignes pas des yeux, par contre. Je pense que tu es mort. Il y a quelque chose d'étrange. Ah, j'aurais avoir vu quelque chose bouger là-dedans. Il est étrange. Voilà. Là. Non. Souvenons-nous de Ken le survivant. L'étrange. Ça veut dire qu'il était étrange. Hey. Ok. Coden 2, cligne pas trop, sinon Captain Raoud va encore se fâcher. Enfin, t'en fais pas. On rentre à Kiaro demain. Tu le sens le running gag où je vais juste appeler tous les héros par la fin du nom du jeu. Genre dans celui Coden 3, il se rappellera Coden 3. Coden 2, cligne pas trop, sinon Captain Raoud. Mais fuck you. C'est bon, je me casse, je vais dormir. Me casse. Attends, peut-être qu'en parlant avec le mec qui a vu quelqu'un bouger. Bonjour. Il y a quelque chose
Il y a quelque chose d'étrange. J'aurais avoir vu quelque chose bouger là-bas. Je peux pas y aller, le jeu m'a dit va te faire foutre. Il m'a dit va dormir enculé. Ou si c'était un message pour la vraie vie. Genre arrête ça tout de suite. Bref, cassons-nous hein. Jean-Michel casse-couille veut nous emmerder. Bon, on va dormir, le commandant il est pas content. Peut-être qu'il fallait y aller avant de parler au commandant de ses morts. Oh. C'est trop tard. La partie est foirée. Oh! On va dormir. Viens, va dehors. Moi, je vais dormir! Sérieusement. C'est le même message qu'au début. Ok. Tu as raison. Je vais partir pour Carole de la première heure. Bonne nuit, Coden 2. Coden 2. Ah. Bien vous, qui dort? C'est le win. Zekema Beach. Hein, toujours rêvé d'y aller. Vous voulez voir la galaxie? Hein, Zekema Beach. Attaque surprise! Est-ce que tu es devenu fou? Hein, comment tu vas? D'ailleurs, comment ça va, Ira? Je manque un petit peu de voix. Ah, enfin de la musique, merci. Attaque surprise! Mais alors, le traité de paix avec la ville est tard! J'ai entendu Coden 2! Vous ferez bien de vérifier. Tranquillou, tranquillou. Ah, le retour de Joey Jawa dans notre équipe. Joey Jawa. Nanana. Ah, Coden 2, Joey. Captain Road, qu'est-il? Une attaque surprise de la ville état. Ils ont rompu le traité de paix, ces ordures. Ah, t'as de la chance, toi. J'ai pas pu sieste. Nous sommes encerclés. Sauvez-vous vers l'est, par le sentier de la montagne. Vite! Ah. Ah, moi, j'ai pas pu trop dormir aujourd'hui. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Puis, j'ai dû faire un truc pendant la journée. Du coup, bah, j'ai même pas dormi, en fait. Nique-moi. Déjà bien 4 heures. Moi je trouve que c'est un bon chiffre. 4 heures c'est l'heure de manger même. Oh merde! On passe les dialogues avec les gâchettes. Fallait aller où? On va dire que c'était vers l'est. Vu qu'il y a des connards morts. Ah ça fait une bonne petite moyenne. Ah! Ouvre les yeux! Va pas mourir sur moi! Tu vas salir mon uniforme! Pourquoi faut-il partir? Ok, arrêtez de crier. Je trouve que de face, il a une tête un peu bizarre. Mais bon. Écoutez, ça va. Ah, j'ai mal. Maman. Ne crains rien. Je vais te sauver. On est copains, non? Oui, on est même petits copains. Quoi? Yep. Ah ah. Y'a rien là. Ah, les jeux, on peut sprinter, les meilleurs jeux. Parce que bon. Tu fais ça. À l'instant, Coden 2. Qu'est-ce que t'as, Joey Jawa? Ah, il faut partir. Bizarre, tu ne trouves pas? Coden 2. Pour s'échapper, il faut passer par ces bois. L'ennemi doit le savoir aussi. Faisons demi-tour, Coden 2. L'ennemi a dû dresser une embuscade dans les bois. Signalons-le au capitaine Raoud. Ok, retour. Ah, il a pris une flèche dans le dos. C'est ça, pas porter son bouclier. Ok. Il est décédé. Parce que la guerre.
Non. Ok. Salut. Avec mal. Sodek. Au secours. Ah, Lucas, tout se passe comme prévu. Ils sont tous partis dans les bois à l'est. L'embuscade est très bien marché. Oh, le connard. T'avais pas une tête de gentil en même temps. Ah, tous les pauvres victimes de la trahison de l'État, hein. Ah, j'aurais dû aller sur place, vieil homme. Et tout ce que j'ai eu à combattre ces temps-ci, je me rouille. Prince Lucas n'a pas son équivalence pour manier l'épée. Mes hommes auraient l'air idiots. Oui. Bon, ces jeunes gens ont bien servi leur pays. On n'a pas besoin d'un traité de paix avec ces mauviettes. Je prouverai combien ils sont faibles comparés à la puissance de Highland. Ah, je suis d'accord avec vous. Grâce au commandement du prince Lucas, Highland connaîtra enfin la gloire qu'elle mérite. Quoi ? Bon sang. Parlons au Ptien. Joey. Bien sûr, il a l'air d'être un putain de traître, mais bon, parlons-lui. Moi, ça me semblait être un bon plan. Hein. Ces têtes d'innocents. Capitaine. Cassons-nous. Tu as raison, Coden 2. Mais Verles, on sera tué. Reste sur les falaises au nord. Si on arrive à les escalader, on pourra peut-être s'en sortir vite au nord. Petit, c'est le nord. On dirait qu'il trottine quand il est comme ça. Et là... Et on a déjà été là, il y a un troux. Ah d'ailleurs. Owen. Bref. Ah mais maintenant il n'y a pas de bruit de fond là. Toi. Ah, c'est... Attends. Peut-être qu'en remettant juste les FX. Ouais, je pense que là, ça marchera. Au moins, il n'y a plus le bruit de fond. Elle sera parfaite. Attention. Allô, Hera, t'es là? Le pire. Il n'y a plus du tout de son de fond, t'es prêt? Tu me dis quand, hein? Bon, on va remettre le son. Hein. Je pense que c'est bon là. Ah, bordel, au secours. C'est select pour aller dans la pause. Mais non, c'est pas un bruit chelou, c'est un coin-coin. Futur son de la chaîne. Thank you.
Ça va, Coden 2? T'es pas blessé, mais pourquoi le capitaine? Non, c'est pas le capitaine, c'est Pten. Ok, merci. Tu ne connaîtras jamais la réponse, tu vas mourir ici, victime de l'attaque surprise de l'État. Ton futur s'arrête ici. Parce que je suis un méchant. Capitaine? Quel dommage, deux soldats si prometteurs, attrapez-les! Yeah! De la 3D mélangée avec la 2D. Parfait. Se bastonner. Bah, je peux mettre en auto, on a rien de toute façon. Et regardez, option pot de vin. Et courir. Courir, c'est fuir sûrement. Vivement que j'ai de la thune. Mourez! Est-ce que c'est bien, super bien? Bastonner. Unir. Ah non, j'ai pas fait le 1. Bah, j'ai demandé à Mr. Eggs par lequel commencer et il m'a conseillé celui-là, donc. J'ai un peu baissé le son, il était un peu fort. Après, visiblement, il y a un système de sauvegarde interconnecté et ils m'ont demandé si j'avais une sauvegarde du 1 dans, quand j'ai commencé celui-là. Et je pense que ça n'a pas trop d'incidence. Hein. Non, on m'aurait dit de commencer par le 1. Vous recevrez une cape. Vous m'énervez. Ils sont tenaces, également. Restez là. Je reviens tout de suite. On peut pas continuer. Colin 2, on n'a pas le choix. Il faut sauter. Ah, il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors on se bastonne à l'infini, on gagne de l'exp. Ok. Si on s'en sort, mais... On est séparés, retrouvons-nous ici. Comme cela, nous serons réunis. Promets-le, Colin 2. Allons, allons, on s'en sortira ensemble. Bon, on va promettre, Nick. Nous sommes camarades. Ça ne veut rien à dire. Allons-y, Colin 2. Geronimo! Ça vieillit mieux que Final Fantasy VII graphiquement. Je ne veux pas le dire, je vais me faire taper. Pause. Ah, ce générique. Ah, forcément la 2D, surtout de la 2D de PS1. Ça y est assez bien. Hein. Prends des coups de tomfa. Ah bon, c'est un peu dommage que c'était la course à la 3D à l'époque. Ils auraient pu faire des trucs tellement plus jolis. Ce truc amer, il me reste genre 3 gouttes. Ah,
Ah, je déteste ma vie. Rare. Ah, quelle perte de temps dans ce voyou. Je me demande d'où il vient. Hé, hey, toi, réveille-toi. Je vais te rebalancer dans la rivière. Ok. Excusez-moi, je viens de vivre un générique, là. Ah. Il est dur de se réveiller. Ah, t'es quand même réveillé. Tu sais comment tu t'appelles? Je m'appelle Conan 2, est-ce que vous voulez me suivre? Bah, t'es pas muet, hein. Qu'est-ce que tu fichais dans la rivière? Tu as glissé? Une embuscade de l'État. L'armée de l'État. Qu'est-ce que tu racontes? On vient de signer un traité de paix, c'est pas croyable, hein. Tu veux du Highland? Armée royale d'Highland Brigade Unicorn. Non, pas ennemi. Alors d'où es-tu? Un stimant, je te coupe la langue. Je suis de Highland. Ouais, je vois. Alors, nous sommes ennemis. Victor, chef de l'armée mercenaire et ami de la ville État de Jowtown. Ah, Victor! Ah, ça t'amuse de harceler ce pauvre petit? De quoi tu parles, flic? Jamais de la vie. Je suis gentil, moi. Enfin bon, qu'est-ce qui arrive aux autres? Ah, rien de bon. On l'a perdu du. J'espère qu'il s'en sortira. M'ennuyeux. Bon. Écoute. Qui que tu sois, tu vas être mon invité quelque part. Ouais, c'est peut-être pas très confortable, mais bon. N'aie pas peur comme cela. On ne va pas te manger une pierre de mel. Bon, on rentre au fort. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais il n'y a pas de hype train. Ah, tu es le fameux Banana King. Ce sera ta chambre quelque temps. Ce petit est pas très confortable, comme ton... Ah, mais il faudra t'y faire puisque tu es prisonnier. Ah. C'est froid la nuit. Il faudrait bien t'en mitoufler. Si tu veux, tu peux venir dans mes bras. Je t'en prie. Bref, si tu veux, tu peux venir dans mes bras. Ah ouais, je vais créer une bromance. Hein. Bonjour. C'est toi qui as emmené qu'on a emmené la nuit dernière, hein. T'es qu'un gosse. C'est Paul. Ce soir, j'irai chier, c'est Paul. Non, c'est pas manger. Ah. C'est moi qui te garde. Après le petit déjeuner, tu travailleras pour nous. Sans travail, pas de loyer. Ok, d'accord, Jada. Ah, mais ça, c'est Hadès. Alors, comment tu t'appelles? Ah oui, Conan 2. Regarde là. Ils sont tous si paresseux. Le boss ne fait que pas d'exception. C'est vraiment un trou duc. J'ai entendu cette voix dans Noob. Enfin, cette musique dans Noob, non? Je suis quasi sûr. Ouais, voilà. Merci, Owen. Enfin bon, tu vas pousser toutes ces boîtes contre le mur de là-bas. Comme cela, tu pourras pousser ensuite contre le mur. Quoi? Qui a dit ça? Ah,
Ouf. Allons, pousse-les toutes bien contre le mur. Montre-moi tes muscles saillants. Les saillants? Mais qui a dit ça? Maintenant, nettoie la corde qui est posée là. Je suis dehors, appelle-moi quand tu auras fini. Ok. Comment je pousse des choses? Ah, comme ça. Je suis trop fort. Ah, c'est ma faute, hein. Je suis le mouvement, moi. Je suis le mouvement. La preuve. Bon. Ma force. J'ai 16 en force. Ça va, c'est du bon travail, hein. Tu veux nettoyer cette corde là-bas, juste pour moi. J'aime voir des mouvements de va-et-vient sur des cordes. Quoi? Vous avez une corde, vous pouvez vous pendre. Mais pourquoi nettoyer une corde? Qui fait ça? Voilà, vous pouvez vous pendre. Waouh, c'est bien. Je suis très satisfait. Salut Marie-Ève et merci pour ton raid. Bonjour. Bonsoir. Ça commence super mal ce meeting. Eternal Summer. Ah, c'est normal. J'adore astiquer des cordes. Quoi? Salut Sam. Il faut pas respirer de la compote. Et salut Besrag. Salut Sanaroxy. Bon. Vous arrivez au moment où ça part en couille. I'm sorry. Ah, bien dit. Bon, c'est l'heure du dîner. Et devine qui est le dessert. Désolé. Ah, c'est tout ce qu'on a. Les rations sont juste ces temps-ci. Bonjour Conan 2. T'as bonne mine. Bon, j'ai une mission importante pour toi aujourd'hui. J'avoue. Et merci Hera d'avoir offert un sub à Sanaroxys. Écoute bien et rappelle-toi, va au dépôt chercher 2 paires de bottes. Ensuite, va chercher 3 silex chez le forgeron. Et 2 sacs de farine au magasin. Et encore merci Hera pour le sub offert à Sanaroxys. Et 2 sacs de farine au magasin. T'attends là, merci. Et merci. Et encore une fois pour le sub offert à Besrag. C'est bien, on avance pour le processeur. On pourra faire des jeux plus récents et plus open world un peu. Et merci Besrag pour ton follow. Oui, ça fait quelques jours, Hera. Et merci Eternal Summer pour ton sub. Ah bah, du coup c'est qui le stream boss maintenant? Donc moi j'ai pas le retour. Ah, offert par Owen, désolé j'ai pas vu la fin. Merci Owen. On va où du coup? Parce que autant j'ai lu mais j'ai pas écouté. Vous connaissez, c'est une musique de noob. Y'a rien là? Ah, je marche sur les trucs.
Et merci pour ton follow, Sanerocrissy. Ah, du beurre, pas trop, hein, n'oublie pas, j'économise tout pour le processeur. Ah, maintenant tu peux faire des miaou. Bon, je devais aller où en fait? Deux paires de bottes, silex et. Un sac de farine, ok. On va chercher ça. Je sais plus où il faut aller, mais on va trouver. Après, peut-être que le spray était visible. Hein. Ah ah! Tu es un skin. Tout le monde a un skin, mais bon. Ah, vite, il faut que. Je mette une voix. Parce que bon, les... quoi quoique, elle va pas être très aiguë, mais bon. Bah bon. Voilà, vous désirez? Ah, je t'ai jamais eu par ici. Ma prisonnier, hein. Est-ce qu'il veut? D'accord, des bottes, combien t'en veux? Deux. Vous recevez deux paires de bottes. Moi, je te les ai données. Oui, je sais. Ok, passe une momie Sanae. Ou Sana. N'hésitez pas à me reprendre sur vos pseudos, hein. Je suis désolé. Y'a rien par là? Je vais tout inspecter. Mais en fait, faut juste parler aux gens. Hein. C'est tout con. Mais la guerre est finie. On n'aurait plus à avoir besoin d'armes. La tête que fait Victor m'inquiète vraiment. Attends, le forgeron, je devais lui prendre quoi? Pas assez de... Ok, il me faut des silex. Ouais, mais combien? Mais t'es un connard, tu me dis plus les nombres. Ah, oh, j'ai pas écouté. C'est dégueulasse. Remboursé. Il fallait combien de silex? Vous qui suiviez, je crois. Quoi? Des silex, combien il t'en faut? Je crois que c'était 3. Vite, c'est une quête capitale. Si on fait pas ça, on va avoir la mauvaise fin. Tic tac, tic tac, tic tac. Je trouve que c'est rien, hein. Juste gagner une paire de bottes nulles. Ça fait penser que j'ai gagné une cape lors du précédent combat. Donc tu as eu miaou. Personne ne sait. Et pas, si je me foire, c'est votre faute. Travail d'équipe, tout ça, tout ça. Ah, je pensais aussi à 3. Et un de farine ou 2? Oh, on s'en fout. En plus, il est pas sûr pour les autres. Là, il a l'air sûr. Vous recevez 3 silex. Au pire, t'en jettes un dans le fleuve, hein, c'est bon. Voilà, tu as tout. Ne fais pas retomber en route. Ok. Monsieur, tu veux pas me redire les vrais chiffres? Ah, pas assez de farine. De toute façon, vaut mieux trop que pas assez. Bijoux. T'aimes ça, mon petit? Oh, oh. Oui, dans quelques années, je serai heureux de t'enseigner quelque chose. Ah, c'est pas moi, là. C'est le jeu. À quoi de la farine, désolé. Il y en a plus pour l'instant. Oh, il faut aller au village de Ryubei. Ok. C'est qui toi? Ah les gars, ah, vous êtes les membres que Victoire a ramassé. Oh petit, à manger. C'est la nourriture est pour ceux qui travaillent dur. Ah je crois que Paul, à votre dîner, on dirait que vous avez pas mal aidé ce temps-ci. Ok. Je suis content que la guerre soit finie. Mais la bouffe est horrible. Ok. Bah, fais à manger toi-même. Ah, je pense que je vais rentrer au village. Ah ouais, oui, le dîner, le dîner. Ah, c'est tout ce que je peux espérer. Gars, vous pouvez pas vous taire et manger? Ah, encore des haricots. Je déteste ça. Oh, le mec se plaint, quoi. Y'a rien là?
Ah oui, moi j'ai tout inspecté, j'ai parlé à tout le monde, je suis infernal. Bon, y'a rien là. Si je vole ce couteau, est-ce que je peux tuer tout le monde? Et ainsi m'échapper. Oh bah du coup, faut aller en ville, mais bon, moi j'ai envie de visiter. On va parler à tout le monde. Eh, hey, recrue! Enfin, prisonnier! Prends-toi ce petit aussi! Et vous êtes nouveau, hein? Ici, les anciennetés! Bah, littéralement 7 ans, calme-toi. Mais vous nous aidez, merci. Travaillez dur, d'accord? Ok. Je veux. Ah, à nouveau! Hein, comment ça? Ça vous plaît ici? Un flic fait un peu peur, mais il est très gentil. Et Victor, bien. Il est tel que vous voyez. Je vois pas. Je n'arrive pas à joindre les loups. Ne la peine, paye pas. Hey! Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Il n'a rien de mal. J'imagine que oui. Connaître deux, n'est-ce pas? Ah, désolé de n'avoir pu sauver votre ami. Il est peut-être mort, noyé au fond de la rivière maintenant. Bon, bah, cassons-nous. Ah ah, voici la chambre flic! Elle doit être sans tâche! Au secours, elle me bloque, tu es là! Bon, du coup, il y a un autre là. Ah ah, un balcoon. Rien du tout. Casse-toi, garnement. On doit aller en ville. Chercher de la farine. Pour se blanchir le nez. La porte est fermée à clé. Ah, allons voir. Machin. Paul. Le mec chez qui on va chier ou manger, je sais plus. C'était quoi la pub? Ce soir, j'irai manger chez Paul. Bon, donne-moi ça, deux paires de bottes, de silex, hein, de la farine? Et la farine? Elle est où? Où est ma cocaïne? Voilà, c'était ça, merci. Hein. Mais c'est sûr qu'un enfant allait pas dire chier dans une pub. Ouais, c'est mes souvenirs d'enfance, je disais déjà chier. Je vois. Il n'y a plus, hein. Écoute, tu veux aller à Ryubé pour moi? T'en fais pas, ce n'est pas loin. Mais tu ne peux pas y aller seul. Quelqu'un va t'accompagner. Va demander à Léona. Je vais aller ouvrir la porte. Plutôt lâcher une poche, non? Une pêche. C'est toi, Fiona? Léona, merci. Mais petit! Que veux-tu? Quelqu'un pour t'accompagner? Ou une commission à Ryubé, non? Ok. Gengen? Non, non, moi, je veux toi. Au secours. Ah, Fury! Qu'est-ce que là? Elle veut Gengen? Vous la regardez, c'est vrai? Gengen! Pardon. Nous faire un nounou. Mais il faudra accompagner ce petit à Ryubé. Gengen, soldat! Gengen, pas visiteur! Soyez pas comme cela! Un bon soldat et un kobold, un comme vous, de satisfaire la demande d'une dame. Ah, vous avez raison. Ah, madame, allons-y, vite, vas-y, suis. Non, non, suis Coden. Tu t'es trompé, c'est pas toi le héros. Ah, Gengen, vous êtes fou. Ah. Gengen, ah, mais, je vous ai arrivé. Ah, oh, c'est vrai. Ah, mais moi aussi. Putain! As-tu terminé le travail pour le Dr. One? Oui! Il est arrivé à la mode! Je ne suis jamais à l'arrivée! Le Dr. One ne me voudra pas! Peut-être un peu en retard! Mais Gengen, doit faire les loups pour les enfants! Tu fous de la gentille soldat Kobold! Ah, j'espère que tu vas disparaître de l'équipe! J'en peux déjà plus! Ok! Faire comme ça, Gengen! Ok. Au secours!
une nounou pour chien et pour gosse. Regardez, il a l'air vénère à cause de ça. Comment ça, c'était de base? Mais non. Il est vénère à cause de ça. Alors, tu y vas avec Gengen et Tuta? Si Gengen est avec vous, tout ira bien. Golden 2. Ryubé, est au nord-est d'ici. Tu trouveras le village au, en suivant la route. Achète de la farine, entre guillemets, le magasin de là-bas. Tu n'as pas besoin de payer, alors bonne chance. Et ne vous perdez pas. Donne-moi ça. Ok. Par contre, c'est moi qui guide le groupe, donc je pourrais juste me casser. Hein. Oh, une tour de guet. Parfait pour notre romance. C'est grand ici. Il est bien. Le monstre est attention. Et j'étais pas censé aller au nord-est. C'est pas besoin de forêt de montagne. Il va y avoir beaucoup de monstres. Beaucoup de monstres. À part les pacacas, c'est pas ouf. C'est tout. Attendez, ne pas. Être sûr de. Eh, Gengen est chef de Stro. Maintenant, appelez-moi Captain Gengen. Ok, Captain Gengen. Non. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Parle, sois fort, allons-y. Je te hais. Oui. Bah du coup tu peux faire le Santeux hein. Regardez, il y a son cousin là. Le cousin de Gengen. C'est honteux. Ah ah, il est mignon non? Ah, je l'ai ramassé parce qu'il est affamé. Et je voulais le manger. Quoi? Hé toi, sur ça là. Et... Ah, quoi pensez-vous, ça ne va pas avec un ours que Victor a cousu lui-même? Je m'en bats les couilles. Ouf, ah, je vais monter un peu ici. Le mec, comme ça, il se cache. Par contre, il n'y a pas de porte là à droite. Quel est ce maléfice? Comment vous rentrez là-dedans? Oh, un tonneau vide. J'ai enfin pu interagir avec... C'est une hauteur, d'accord. Okay. Désolé, c'était... C'est compliqué la perspective dans les jeux 2D. Et pourquoi j'en vais? Tout à l'heure, ils m'ont mis au-dessus à droite. Nique-toi le jeu. Par contre, sur la map, tu marches. Il est un peu écrasé, non? Il y a sûrement une gravité plus forte à l'extérieur de vide et tout ça. Ouais... C'est la seule explication. Ah, je reconnais, c'est l'Asie, ça. On n'avait pas allé au col du Nord Sparrow. Non, je vais pas faire ça. Je vais vraiment pas faire ça. Il y a un horrible monstre de brume. Ah, vraiment, j'ai eu si peur que j'ai dû changer mon pantalon. Et... Voilà, hein. Era l'a contaminé. Ok, voilà, tout ça. Attendez, j'ai des farines au magasin. On pourra s'amuser. Un petit bois pour le poêle. Mourez les oiseaux. Bon. Cool. Un énorme pot. Pourquoi maintenant je peux inspecter des choses alors qu'avant non? Il est énorme. Un petit pot. Ah, on peut pas tout inspecter.
Quoi, je vous connais, vous cherchez de Sei peut-être? Il est parti il y a quelque temps, mais les gens continuent à venir le chercher. Ok. Merci, Explosi. Aucun bug. Non, il n'y a pas de bug. Cassons-nous. Je vais tomber dans ce trou noir, sinon. Ah, c'est horrible, on ne peut pas croire. Ça recommence. Bonjour, t'as un skin. Je le savais. Pas HLM. Ah non, c'est le contraire. Eh, vous avez entendu? Les troubles à la frontière, une attaque surprise de l'armée des mercenaires. Bonaparte, ça ressemble à un nom d'animaux. Trouvons un animal. Rien du tout. Ah, c'est peut-être lui, Bonaparte. Ah non, c'est Bolgan. Moi, Bolgan. Ok. En plus, c'est pas un mignon. En plus, je trouve bien trop mignon. Ok. Que voulez-vous? Voulez-vous attendre que nous ayons fini? Ok. Et vous faites quoi, en fait? À part regarder ce pauvre Bolgan? L'artiste ambulant, pff, l'idée de bonne aventure me lira-t-elle mon futur? Vas-y, pour bientôt, j'espère. Alors, on commence. Hé, je suis sûr que c'est pas compliqué. Et toi, tu dirais? Waouh, elle est jolie. Je me demande quel est son nom. Au secours. Oui, les gens de l'extérieur, que faites-vous dans notre ville? Avec votre air et tout savoir. Putain, je déteste les étrangers. Ah, tout ça, tu. Ok, Alika s'en fout de la réponse. Ah, c'est vrai, j'ai attrapé ma lance et pris un air méchant. Ces soldats de Highland ont eu si peur qu'ils se sont enfuis. Waouh! Ouais! Papa est le plus fort! Votre maison clip. C'est un feu. Quelques petits bugs dans les maisons, un peu dommage. Bon, du coup, on avait pu fouiller cette maison. Fouillons tout. Ah, salut, Kelb, vous voulez guiser? Je n'ai rien aiguisé depuis longtemps. Je veux aiguiser mon tonfa. Ah, j'ai tout fini. Je suis un gamin. Je suis si heureuse qu'on mari soit de retour. Faire marcher une forge, c'est dur. Comme son gros marteau quand il est revenu. Quoi? Ah, je dors dans votre lit. Alors. Du coup, c'est là qu'on devra acheter la farine, donc faisons tout le reste. J'ai un peu foiré. N'ai finalement pas utilisé cette armure après tout. C'est mieux ainsi. Ah nous, on a jeté nos armures à la flotte depuis un moment, vous inquiétez pas. Mais monsieur, achetez quelque chose, le commerce est si mal. Ok. Entrez, s'il vous plaît. Et il faut les provisions que j'en ai. Ah, il vaut mieux faire des réserves. La guerre arrive, on dirait. Ok. Un chapeau de cuir, cuir moustache. J'avais pas looté un truc. Attendez. Une cape, avant que j'oublie.
Qui peut porter cette cape du coup? Meilleur son. Meilleur son. Juste meilleur son. Ah, peut-être dans robe, oui. Non. Au secours, je sais pas c'est quoi le bouton pour revenir juste en arrière. Mais qui peut... peut-être dans autre. Ouais. Oh, quand les potions sont aussi... Bref, cassons-nous. Mais équipons-le. Ah, il a dit plein de trucs. Un chapeau de cuir moustache. Mais est-ce que c'est worth d'acheter là? Les jambières, ça a l'air d'être sur l'emplacement de bidule. Oh, on reste comme ça, on s'en fout. Au secours, le menu c'est sur carré. Et courir c'est sur le rond. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Bienvenue! Je vous connais! Hermatif, moi, soldat Kobold, Gengen, maintenant, Gengen, Gengen. Ok. Ah, que désirez-vous aujourd'hui? Hein? Quoi? Oui, de la farine, comme toujours, au moment. Ah, c'est donc pas la première fois qu'il consomme de la farine. Intéressant. Ah voilà, moi, je la mets sur la note, comme prévu. Vous avez farine. Alors, on rentre maintenant. Que je... Putain. Mais je vais promener encore. Mais quel grand de Captain Newton. Ah, on s'est assez promené. Tu veux voir le cirque, c'est ça? Moi aussi, je veux voir le spectacle. Non. Ce genre de spectacle te rendrait idiot, tu sais. Ah oui, c'est sûr, le divertissement, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est connu. Je vous jure. Oh, j'espère que je vais trouver ton Bonaparte à toi. Je fais l'entraînement de Karine. Je peux lire ses mouvements. Bon, il est là ce spectacle. Mobulgal. Ok, bah je me casse. Salut. Ah non, vous ne pouvez pas passer par là. Il y a une horrible monstre là-bas. Bah cassons-lui la gueule. Oh. Oh. C'est bon pour regarder le spectacle. On n'avait pas été là, je crois. Yes, des nouveaux PNJ. Ah, bienvenue à Ryobe. Nous sommes après le nuit et l'air et l'eau sont bons. Quoi, tu goûtes l'air, toi? L'Hermie Island est rentré, la guerre est finie. Tout cela grâce à Annabelle, la poupée maléfique. Ne croyez pas un mot de ce que ce gars raconte. Ah, que dites-vous? Vous critiquez Annabelle? La guerre est finie, alors pourquoi on joue en patrouille? Ah, je trouverais d'y penser, hein. Vous l'avez entendu? Le monstre de l'ombre mode du col nord ce soir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment savoir faim? C'est un pot. Bienvenue. Notre endroit est propre et nos tarifs sont corrects aussi. Serait pas déconnant ça par contre. Petite sauvegarde. Je viens d'apprendre comment on fait des sauvegardes, c'est beau. Sauvegrit. Les fameux sauvegrit. Après le capitaine. Non. Ptean. Mais qui a dire des choses sur les voyelles? Non mais. Casse. Je m'en vais. Cours, j'essaie de courir avec le mauvais bouton. Faites pas attention si vous entendez gronder un monstre. Ce n'est que mon estomac. On avait été à gauche, là. Je crois que oui, hein. Yes. Oh bah, cassons-nous. Oh,
Oh, j'ai essayé de forcer le stick comme analogique, mais le jeu l'a dit non. Pas comme croix directionnelle. La 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 la. Comment ça, il faut retourner ramener la farine? Qui a dit ça? Oh, des courribos! Pot de vin! Pot de vin est joué! Ah zut alors! Ils ne sont pas intéressés par un peu d'alcool. Regardez, zigzaguer pour éviter mes coups. C'est des furfures. Est-ce que quelqu'un a des runes? Oh, ah non. Pourquoi c'est rouge? Alors elle a pas assez de MP? Je vais faire un truc, j'ai oublié. Je crois que la musique de combat elle gueule. Hein. Heureusement que j'ai aiguisé mes tonfas. Du coup, c'est la gamine qui fait le plus de dégâts. J'ai gagné des poches et je les ai mis dans ma poche. Oh, c'est une garde d'argile. Ça a l'air bien. Ce serait pas une rune, ça? Ah oui, elle a une rune, elle. Bah, je sais pas comment on les utilise. Il n'y a pas eu de tuto. Comment ça, je dois retourner au camp? Qui fait ça? Qui écoute le tuto? Tuto, parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre. Ah, 10 poches. Ah, c'était mieux sur les boules de poil. Le col de North Sparrow. Peut-être que c'est le col de Jack, en fait. Hey, revenez, revenez! Le monstre de la brume, elle va nous manger! Ok, ok. Vous êtes un peu énervé, non? Pourquoi oui, je peux pas aller dans les forêts. Je vérifie. Les boules de poil. Je cherche un truc vite fait à manger pendant qu'on va. Je reviens. Désolé, désolé. Bon. Eh, mais ils survivent en plus. Bon, nous, par contre, on décède. Seulement Touta avait un sort de soin. Ah, si seulement. N'est-ce pas, Touta? Tout à fait. Ah, plein d'argent. Je crois qu'on a trouvé qui tuer. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là? Un cul-de-sac. Et là, le mec il va essayer toutes les petites tâches. Ouais, mais vous êtes nul, non? Un garçon où? Ok. Bon, machine, tu voulais que tu aies ton soin? Ouais, pourquoi c'est grisé? À rouger. Cours, je connais pas la touche pour annuler. Ouais, c'est bon. Oh, c'est pas mes potes, donc je peux pas m'unir à eux. Ouais, juste. Il y a un peu beaucoup de combat, non? Oui, j'ai loin de mon micro.
Ouh, ça fait du bien de manger un peu. Voyons ce qu'il y a au nord. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Courir, ça a l'air bien. Ah. Au secours, ils sont 12 000. On va finir par mourir. Et si tu voulais m'en manger, tu manges pas ce que je t'ai donné. Ah, je connais pas, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de frangipane. Oups, le micro vient de se péter la gueule. Voilà. On a quand même level 3, hein, c'est pas mal. Bah voilà, elle a décidé de goûter. Communion. À la ville de le village de Toto. Ah. Je ne ferai pas de blague. Nous sommes entre Muse et Ryubei. Il y a beaucoup de passages, c'est pourquoi il y a une auberge. Sans déconner. Ah, vous voyagez, n'est-ce pas? Comment ça, la guerre est vraiment finie? Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de différence, tout le temps. Il a l'air triste. Okay. Ah, tiens, il y en a encore là, Minoucha. Salut, voyageurs, les villageois viennent souvent ici. Ils s'y sentent à l'aise. Hey! Ne vous rendez pas par ici. N'est pas bon pour mes affaires. On n'aime pas trop les pauvres par ici. Ah, les affaires vont tourner à l'antique depuis quelques temps. C'est pas le grand bonheur, mais la paix est préférable à la guerre, je pense. Y'a que des vieux. Guerre ou paix, pareil. Au lieu de faire appel à des mercenaires, Muse devrait laisser baisser les impôts. Ah, ce skin. Par contre, tu es quoi, Zamza, je dirais homme. Oh, quel bruit. C'est auberge. Oh, c'est quoi ça? Force. Ça, c'est pour dire stat. Tchier. Formation, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Tiens. Mais si t'en veux pas, m'emmerde pas. Oh, mais c'est un homme, Laurence Drabi. Ah oui? Ah, c'est pour une nuit? Non. Ah oui, c'est pour une nuit? Non. C'est le pire gars. Je veux me casser. Shia LaBeouf. Le mec s'appelle Shia, quoi. Le truc qui s'appelle Shia, c'est un MMO. Ou quand t'avances, bah t'es... les filles, elles tendent leurs fesses vers l'arrière, très très fort, et en se penchant quoi. Comment ça va, moi, en pleine forme, je travaille toujours comme un forcené. Un vieux tonneau. Je m'en fous que tu travailles comme un forcené au fait. Les vrais gens dans la vie, eh ben, ils t'ignorent quand tu essaies de leur parler en fait. Je t'explique. RPG, c'est pas réaliste. Ah toi, tu essayais de lui parler, le mec il regarderait juste son assiette en mode... Ouais, il reste un petit poids. La guerre est finie, et je suis enfin chez moi. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. Je voulais emmener mon fil à Ryubei demain. Du coup, je suis pas sûr, est-ce qu'il vend du fil ou il parlait de son fils et il manque un S? Là, t'es très énervé. Ok. J'espère. Ah, moi j'ai connu une fauve. C'était son prénom.
Et visiblement, Fauve est un prénom très difficile à porter. Je me demande, j'en dirais peut-être davantage en le portant ailleurs. Ouais, mais dis-toi que les gamins, c'est pas très gentil non plus, hein. Ah, Fauve, ça sent le fauve ici. T'entends ça à longueur de journée pendant une dizaine d'années de ta vie, t'en as un peu plein le cul. J'ai pas lu. Ah, je vous le dis, c'est pareil. Ça, les comptoirs ont des prix différents. Qui dit ? Qui dit ? Ah, il y a du commerce. En fait, c'est fermé maintenant. Revenez plus tard. Vous ne ferez rien en tant qu'évaluateur dans un endroit pareil. Ouvre une boutique. D'amuse. Toi, et ta fierté ? Où est ta fierté, l'évalueur ? Ok. Alors, c'est tout ce que j'ai... Le jour que tout ce que je dis, gamin, je ne sais pas quoi faire. Bonjour. Je suis déjà venu ici, non ? Et le chat ? Pourquoi tu sniffes mes doigts ? Ça sent la frangipane encore ? Tu as goûté au plaisir des frangipanes, maintenant t'es accro ? Au secours ! Juste quand il va jouer ce petit son repas, va être quoi ? Frangipanus. Bon. Ah, ce village a beaucoup d'enfants. Il n'y a rien de pire, je déteste les enfants. Ah, c'est une femme. Ah. Sorry. J'ai le nom après. Venez-vous, vous autres. Bah, en fait, je suis un prisonnier, mais je me balade. Prenez trois remèdes, quatre. Équipez-vous pour pouvoir. Bonjour. Objet rare. Oh, j'ai un chapeau à plumes. Pour acheter ou pour vendre? Pour acheter, je dirais, vu qu'elle est stat. En moins, plus 30 vitesse, ça résiste au vent. Oh, je prends. Équipé. Oui. C'est parce que j'ai acheté. En tout cas, il est résistant au vent. Ah, cette porte, elle est si fluide, regardez là. Perturbant. Ça m'hypnotise. Bon. Ok. Mais tu es un méchant peuple. Il y a des flingues. Allez, joue au gendarme et au voleur. Au gendarme et au voleur. Les genoux, racaille, je vais t'enfoncer ma grosse matraque. Quoi? Quoi? Mais je croyais qu'on aurait joué au gendarme et au voleur. Justement. Ta gueule, tu l'as déjà dit. Ah, là, là. Ah, ce fait divers qui est devenu un mème limite. Après, bon, il est capable de mettre sa matraque à cet endroit-là. Hein. D'ailleurs, il est devenu quoi, ce flic? Je suis ravi que la guerre de Highland soit terminée. Jeunes enfants. Il n'a pas le droit de toucher à ses portes. Tu pourras les toucher aux grandes vacances.
Ouais, tu sais, lors de manifestations, il a mis par accident sa matraque dans les fesses de quelqu'un. Genre, ça s'est passé au nord de la France, je crois. Je sais plus, bordel. Il y a 2-3 ans. Peut-être. C'était passé au journal télévisé et tout. J'espère qu'il y aura un bon atout. Ah, sûrement. Ah, toi, pour être recruté, je pense. Attends, t'as dit qu'on va être là. J'en ai battu le monde. Pika se fait des soucis. Pika, il me parlait en disant son nom. Pika, pas la troisième personne. Pika est insupportable. Ah. Ah oui, mais bon. C'est triste. Les abus de pouvoir, tout ça. Salut! Tu dis Rock? Je suis déjà venu ici. Tirez-vous, les enfants. Les garçons, prenez la place! Défonce-les. Et je vais jouer à la maison. Ah, jouer à la maison? J'ai plus de maison. Ah, on s'en fout. Bonjour. Eh, c'est la muse. L'armée d'État est en alerte. La guerre est peut-être finie, mais soyez encore prudents. Ok, moonwalk. Oh, pom pom. Qu'est-ce que... Un chat. Et personne fait de biaou. Ah bah... Tout faire tout soi-même si. Ah, lui il est pas gentil. Ah, heureusement que je joue pas à Megaman, le chat sera de jouer avec mes doigts. Eh bien, on aura fini, on a plus qu'un. C'est trop bien. Bon, du coup, il y a plus rien à visiter ici. Ah oui, hein. J'aurais peut-être dormir un jour. Ah mais j'ai plus rien en poche. Ça va être compliqué. Moi j'ai ça. Vous l'avez pas. Peut-être ce sera le prochain émote qui va être débloqué, mais bon. Ou alors on mettra une moustache. Parce que pourquoi pas. Bah, ira là, parce que c'est un bon donateur. D'ailleurs, tu l'utilises jamais alors que tu la voulais, quoi. J'ai gagné et j'ai level up. Dommage qu'il n'y a pas les stats. T'as dû l'utiliser 3 fois. Ici, en tout cas. Ah oui, j'avoue que les petits Link. Tant mignon. Genre le blasé. Ou le dégoûté. Pour l'instant, c'est que avec les beats, je crois. Ah, je sais même plus. Ouais, je crois que c'est que avec les beats. Ou alors les abonnements T1, T2. Enfin, T2, T3. Je sais plus sur quoi je les ai mis. C'est en attendant de pouvoir avoir des emplacements. En même temps, ils sont si magnifiques, ils méritent le niveau 3. Mais ils iront avec l'abonnement normalement plus tard. L'abonnement normal. Sauf si les gens votent pour que ce soit d'autres émotes qui soient dans les abos, quoi. Au final, y a que le petit chaton riche qui va jamais bouger de là, quoi. Enfin, de là où il est, pour l'instant. Vu que, bah, riche.
Peut-être un jour, Hera. Après, c'est sûr qu'à force, tu l'auras peut-être dans un an. Ah oui, il aurait par contre la vanne. Alors, on ne pourrait pas traverser ce pont vers Rada pour l'instant. Ah. Vous ne pourrez pas passer quand la vanne. Vous ne pourrez pas. Non, le chat. Stop. Par contre, tu peux jouer avec mes doigts, mais pas avec les câbles. Poupite. Ah oui, bien sûr, tu es patient. J'ai soufflé sur le petit chaton. Vous ne pourrez pas passer quand les fans seront ouverts. Ok. Ah bah je me casse. Allô, d'où venez-vous du Faber Céleste ici? Moi je sais même plus d'où je viens, moi je me suis baladé depuis une heure. Le sort qu'on ne puisse pas passer. Ils disent que c'est dangereux. On peut pas rentrer chez moi. Ah mais je fais attention maintenant au chat qui joue avec les câbles parce que Magie 400, elle est morte comme ça. Hein. Le câble a été sectionné. C'est trop bien. Maudit chaton. C'est vénère un chaton quand ça joue avec un câble. Hein. Ça mord le plus fort possible. Et comme ils grandissent au bout d'un moment, ben... Ça sectionne, quoi. Pot de vin! C'est pour voir. Tenez, ma thune! En tout cas, vivement qu'on voit quelqu'un avec le badge des 1 an d'abonné. Qu'est-ce que je mettrais pour le 2 ans? Je ne sais pas. Pourtant, je les ai fait avec mes petites mimines. Toujours plus de poches dans les poches. Bon. Je crois que j'ai fait le tour de la map. Tu sais, ce qui est bien, c'est que j'ai ce pouvoir-là, en fait. Vu que c'est un jeu en 2D, ça va plus vite que sur... Chrono Cross. Bon, après, c'était juste pour montrer. Sûr. Truc inutile. Ah, mais je parlais pour le badge. Hein. C'est mignon, il lave le sol pendant qu'il vient de m'attaquer. À droite. C'est le mec qui va jamais retourner au campement. Ah, il est parti depuis longtemps ce prisonnier, je me demande s'il reviendra un jour. C'est pas non plus... Quoi là, y'a quoi là? Une forêt. Oh, y'a un truc là, non? Non, y'a rien. 100% y'a rien. Après, y'a un nuage dans le ciel. Et en fait, non, c'est un Pokémon. Mais qui attaque juste tout le monde. Regardez, le jeu c'est déjà d'avance qui est déjà mort. Donc il change de cible automatiquement, c'est vous. Bon, je suis retourné en ville. Dans le vrai jeu. D'ailleurs, dans celui-là, il y a des phases en tactical ou pas? Je peux pas m'empêcher de penser à Noob quand j'entends cette musique. Bon. Là, je te ramène tes esclaves. Eh ben, moi, petit, reviens dans quelques années et je serai heureuse de t'en signer quelque chose. Ok.
Bah, en gros, quand tu offres des bits, ça réduit la barre de vie. Et si quelqu'un s'abonne aussi, d'ailleurs. Et celui qui met le boss à 0 PV devient le stream boss. En gros, faut essayer de donner le coup de grâce. L'abonnement c'est 500 PV et chaque bit c'est un PV. Ah, il y a plein de petites alertes en fonction de ça. Ah, c'est super efficace! Merci Hera pour les bits. Je vais aller. Ah ouais, au sous-sol. J'ai plus trop attention au jeu là, désolé. Et même pas une petite léchouille, eh ben. Ah ouais, je vais ramener à Louis Jean-Michel. Oh, c'est quoi ça? Ça c'est ma chambre. Enfin, ma cellule. Non mais il est où le connard? Non, il avait un skin, c'est pas toi. Attends, peut-être qu'il avait un truc à dire lui. Ah non. Mais il était pas à l'entrée en fait tout à l'heure. Genre il avait changé d'emplacement. Non, il est pas là. Excusez-moi, je cherche. Truc. Où est Bromanceman? Pas là, il est pas là, il est pas là. Oh ben, on peut aller voir là. Mais. Qui est l'amateur de cocaïne? J'ai eu la farine? J'ai un doute là. Ouais. Le silex, la farine, il me manquait quoi? Jean-Michel, j'ai pas suivi. Mais on s'en fout de surveiller ça en fait. Au secours! Il est dégueulasse en plus. Je préfère mes badges d'abonnés, ils sont plus jolis. Ah, mais justement, on était censé lui rapporter ici parce qu'on n'est pas censé sortir. Oh, et puis. Il est profond. Michel, t'es où? Et j'ai l'impression qu'il me manque un objet en fait. J'ai la farine, j'ai le silex, mais il fallait un autre objet, non? Au secours! Voilà, depuis trop longtemps. Du coup, je sais plus où aller. Ah. Là, il m'attend chez Léona. Il m'a fait du travail. Oui. Donc, il me dit ce qui m'attend là. Toi, Léona, on est d'accord. Ah, mais c'est vrai. Il a tellement pas de skill par rapport aux autres. Il a des cheveux bruns, c'est tout. Il est plus fin. Il est là, c'est lui en fait. Bien, bien. Ça va, c'est tout. Ok. Il y a tellement pas de skin que je l'avais pas vu. La gamine a plus de skin. Je voulais aussi. C'est super. Uh-huh.
Quelle idée aussi de te mettre dodo, mec. Quelle idée. Je voulais pas être trouvé à vous. Bon, je vais manger. Ok. C'est bon aujourd'hui? Je demandais du rab au cuisinier. Travaille dur. Mange bien ma brioche. Quoi? Le travail d'aujourd'hui. Tu vois cette huile sur tout le plancher? Essuie-la avec le chiffon comme ça. Ah oui. Ce bruit. Tu peux essuyer comme cela, connais-nous. Mais je viendrai te voir tout à l'heure. J'ai envie de te voir frotter le sol bien fort. Je veux que ça brille. Au secours! Il m'a fallu un attouchement sexuel là, maintenant, tout de suite. Je l'ai vu, il est trop près. Bon, mais... J'étais à un pixel. Cherchons les tâches. Moi je m'en fous, j'ai le mien. Miam miam miam. Il est dégueulasse. Parfaitement dégueulasse. C'est bon, ça brille. Je les vois pas. Oh, sur l'étage, sûrement. Par contre, quel dégueulasse qui a mis de l'huile partout. Ah, ce petit bruit. Faut le mixer avec... Tâche d'huile. Je pense qu'il voulait pas forcément que ça ressemble à un bruit de canard, mais bon. C'est le cas. Ah ah, même chez le commandant. C'est rien. Juste un bruit pour te dire nique-toi, tu peux pas faire ça, c'est tout. C'est négatif, mais on s'amuse. C'est juste pour dire que je peux rien faire en fait. Ça le fait aussi quand j'essaie d'acheter un truc sans avoir l'argent. Le son du denied. Et attends, est-ce qu'on peut cramer cette merde? Non, dommage. Ça mauvais sens. Bon bah vraiment il a pas de skin par rapport aux autres. Comme ça il a juste la même gueule quoi. Regardez. Il a une tête plus grosse et le corps plus fin par contre. En tout cas tout à l'heure il était. Mais là il est plus gros. Ah oui, aussi. Cherchons les 7 différences. Bah déjà il est gros. Voilà. Et il est brun. Ah, le plancher est super. T'es vraiment doué pour astiquer les choses. Bien sûr. Bien sûr. Tu me plais, t'as de l'esprit. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Le chiffon, plein de graisse. Eh bien, balance-le quelque part. Viens, on va dîner. Bon travail. Tu dois être fatigué. T'es un drôle de petit toi. J'avoue que t'entends des choses étranges. Eh, on dirait que quelqu'un a fouillé ici. C'était moi. Coden 2. Ah, Coden 2. C'est là, réponds Coden 2.
suis là, Joey Jowa. Non, 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 non. Joey Jowa. Conan 2. Merci, mon Dieu. Je vais te faire sortir de là. Ça va? Je suis soulagé, sortons d'ici avant que les soldats arrivent. Il est entré en moi. Non, il a rejoint le groupe. Et littéralement, il est entré en moi. Hein. C'est comme dans tous les RPG. Nos coéquipiers sont cachés dans notre cul. Fuyons! J'étais pas libre. Ok. Ça suffit. Rendez-vous! Avant que nous, adultes, nous mettions en colère. Tu vas recevoir une petite fessée. Ils sont plus nombreux. Je comprends. Bah bourron, hein, on est level 3. Il est fou. Ouch. Le revers patriarcal. Ça va, Condamné. Ah lui, il m'a denied. Hein. Ok, commençons par ton nom. Joey Atred. Joey. Oups. Oui, bien. Puisque t'es venu livrer Konendu, j'imagine que tu es un de Highland, toi aussi. C'est cela, oui. Ah, je vois. Ah, tu es l'autre, celui qu'on a perdu la rivière. Maintenant que tu le dis, il ne m'a jamais dit comment vous êtes tombé dans ce pétrin. Bah, t'as jamais demandé en... Eh bien, c'est... Conan 2, as-tu parlé d'une attaque surprise de l'État, mais l'armée de l'État n'a pas bougé depuis la signature du traité de paix. Alors, que s'est-il passé? La vérité. Oh oh, ça paraît louche. Uka Blight. J'en ai entendu parler. C'est une sale race. Mais que comptes-tu faire après avoir sauvé Conan 2 Après avoir sauvé Conan 2, je pensais rentrer à Kiaro avec lui. Alors, vous êtes toujours... Vous avez toujours l'intention de vous évader. Ouais. Ouais. Non, il n'y aura plus de bromance. On va vous laisser dans la cellule un moment. On va vous donner à manger, un endroit pour dormir. Ok. C'est gentil. Désolé. Je n'ai pas pu te faire évader. En même temps, tu aurais peut-être dû venir en sneaky snake. Après cela, je me suis réveillé dans un village appelé Toto. Ils arrêtaient pas d'y faire des blagues, donc je me suis tiré. Il est trouvé par une petite fille qui m'a ramené chez elle et a soigné mes blessures. C'est marrant parce que j'y étais. J'ai entendu dire qu'un jeune garçon avait été fait prisonnier, alors je suis venu. Désolé. Ah, désolé, c'était pas très bon, mais essaie de tout manger. J'y ai mis tout mon cœur. Conan 2. Je ne t'en veux pas de vouloir t'échapper, mais ne recommence plus, s'il te plaît. Sinon, je pourrais plus regarder tes petites fesses pendant que tu astiques. Le boss te fera sortir d'ici bien assez tôt. Excuse-moi, je pourrais avoir une cuillère? Une cuillère? Pour la soupe? Et que nous sommes... C'est que nous sommes des délicats. Attends, je vais t'en chercher une. C'est pour creuser un trou. Classique. Conan 2, tu veux mes carottes? C'est pas moi, c'est le jeu. C'est à peu près le moment. Conan 2, fais-moi voir ce que tu tiens. Ben
Bah non, c'était hyper important, il voulait lui donner sa carotte. Ses carottes. Genre, pourquoi? Non mais t'es con ou t'es con en fait? Tu veux essayer de t'échapper? Bien sûr. Ils ne s'attendent pas à ce que l'on parte si tôt. Voyons. Silex, chiffon huileux, corde. Tout pour un donjon SM. Super, ça ira parfaitement. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. Plie cette cuillère comme cela. Ça y est, c'est ouvert. On ne nous aura pas cette fois. Oui, je cours partout. Oui, il s'arrête des fois. Je crois que ma croix directionnelle, elle décède. Et peut-être que les carottes ont une importance pour le futur. Hein. Peut-être que grâce à ce boost de carotène, notre personnage gagnera une résistance au soleil. Alors, aux dégâts de feu et tout ça, ce sera stylé. Je pense pas assez loin dans le futur, Hera. Ouf, ah, je suis complètement épuisé. Ah. La porte est fermée. Donne-moi le chiffon et le silex. Je vais allumer ça. Ah mon dieu, c'est le mec qui fait du feu dans Full Metal Alchemist. Ah, c'est honneur. Ah, barbecue. C'est pas de la beuh, ce qu'il a lancé. Il y a un joint un peu. C'est bon, allons-y qu'il y en ait deux. Regarde, il y a un joint là. Non mais je veux voir le joint. Que fais-tu? On sort à l'étage avant qu'il ne nous trouve. Non, je veux voir le joint. Ok. Il va y avoir une sortie. Oui, le balcon. Un génie. Servons-nous de cette merde dégueulasse pour descendre. 22. Donne-moi la corde que tu as. Oh, on peut même pas déchirer ça, ce truc. Ça ressemble à rien, on dira un ours. Mais en mode... Oh. Bon. Bien bon. Je demande... je passe le premier. T'es sûr d'avoir besoin d'une corde? Littéralement, dans la vraie vie, je descends ça sans corde. Hein. Il l'a déjà fait même dans l'autre sens. Prenez de la nuit et de l'attaque. Quand je pense au capitaine Raoud et à l'homme à qui il parlait d'être dangereux à Kiaro. Mais je veux rentrer. Ta sœur d'un ami t'attend là-bas. Ah, vous vous souvenez de ce soldat qui disait qu'il allait faire des choses à ma sœur? C'était un dialogue très utile aussi. Il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Elle doit se faire du souci pour toi. C'est trop dangereux de rentrer. Ouais, on rentre. Oui, c'est là que nous avons grandi. Ça ne s'oublie pas si vite. Bah en fait, je savais pas. Tu vas aller où? Parce qu'ils sont, ils sont gentils, tout ça, mais ils te disent pas où c'est. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, j'ai des 180 poches. Excusez-moi, je sais pas où je dois aller. Heureusement que c'est pas des pitchs qu'on a chopé. Parce que des pitchs dans la poche. Je vais les souvenir. Ah, des lapins! Les pires ennemis. Mon dieu, ils sont vénères, ils tapent deux! C'est deux fois plus de dégâts que ceux d'avant. Ah, par contre, l'auto il fait de la merde. Attaquez le même. Vous êtes con. Oh oh, s'unir. Ah, attaquez. Ah ah, on fait 3 mètres. Paf. Pourquoi je me priverais?
Regardez, il y a une jauge de cœur entre eux. C'est comme dans Fire Emblem. Et en mieux. Parce que ça sert pas qu'à faire des enfants, ça sert aussi à faire des attaques spéciales. Et encore, Fire Emblem, c'est seulement dans les derniers. Salut! Ah, c'est pas par ici, Rada. Rada. Oh mon dieu! On va vous tuer, on va se finir. Hein. Ou alors les cœurs, c'est leur vie. Je suis en train d'avoir un doute. Et paf! Je crois qu'ils ont pas aimé. Non. Quoique, si, hein. Alors, c'est comment que c'est terminé les attaques combo? Je sais plus. Il a voulu s'arrêter. En tout cas, je suis content, il y a pas trop de bugs de son par rapport à Chrono Cross. Oh, mais là, niquez-vous en fait. Ah, je vais spammer. Comme un sale. Remède 4, c'est bien, on a plein de remèdes. Il y avait pas un truc par là, genre. Ils font les routes. Se battre, s'unir. Haha, on fait 12 mètres maintenant. La perspective, par contre, elle ira se te faire voir ailleurs. Vous recevez plein de remèdes parce que vous êtes beaucoup trop doué. Pourquoi je peux pas courir sur cette map? Pourquoi il y a un truc là derrière cette montagne, non? Et on a le droit de casser la gueule à des trucs. Oh! Yeah, un spectacle. Ah, il y a Skinger à la droite qui cherche Napoléon. Non, Bonaparte. Bien, pour le prochain spectacle, voyons. Très bien. Oh tiens, mets-toi. Et bien sûr, on est en fuite. Et tu as une jolie boule aussi. Viens là, vite. Ça va mal finir. Coden 2. On s'échappe, tu sais. Et vous, vous tous, notre principal spectacle. Ah, j'ai oublié. Mais pas si pas de sac. Voilà, c'est mieux. Merci, notre truc grave, faisant ça, c'est content. Je sais déjà plus faire sa voix, c'est honteux, je me déteste. Oh. C'est pas ainsi que je t'ai appris à le dire. La belle, est pas mal, la gueule de couteau, Ellie. La tabourine de visage et ses formes magnifiques. Non. Derrière moi ces formes magnifiques. On ne bouge pas. On n'est pas très à droite en tension. En plus on a picolé en vent. Ne vous inquiétez pas, j'ai de bons remèdes. Je peux me soigner un couteau dans la tête. Et on y va. Confiance. Et là, il y a du sang qui coule. Mais c'est plus gros. C'est un peu contre-productif, non?
toujours la confiance. Plus de confiance. Il y a un pickpocket dans le groupe. Ne pas bouger. Et là, il est mort. Fin du jeu. Et maintenant, tu fais ça avec un petit poids. Mais doué, à tout le monde applaudit. Vous avez bien dégoûté. Mais j'ai rien fait. Merci pour votre aide. Oh, nous sommes artistes itinérants et je m'appelle Rignan. Wally, nous sommes sœurs et voici notre grand frère. Il est tombé d'une falaise quand il était gosse. Morgan. Je m'appelle Joey. Voici mon ami, Conan 2. Nous allons à Kero, le pays. Au pays Island. Mon sien. Nous avons fait tout le village des alentours. Nous tendons ailleurs, sans problème. Ne pas avoir peur, t'en fais pas. Pour le monstre de la brume, je suis là. Le monstre de la brume? Ah, pour passer en Island, il faut prendre le col de Norse par an. Nous avons entendu dire en quel temps tient par l'horrible monstre de la brume. Sous un Island, on pourrait ensemble. Ouais, ça me va. Et toi, Conan 2? Je serais très heureux de voyager avec une si belle dame. Non. Bien sûr. Merci. Alors nous allons passer la montagne sans souci. Très bien. Merci beaucoup, Conan et Joey. Bon, bien content. Ok. Elle a des magies de faim. Et lui, la laine de faim. Oui. Oh, bah, elle est bien cette formation. Je sais pas qui fait quoi, mais du coup, c'est bien. Équipement. Non, plutôt les forces, non? Protection. Croc, protection égale défense. Je pense que nous allons mettre le soumotion de Vang. Ya. Voilà. Cassons-nous. J'ai pas sauvegardé. Je sais pas d'où il sort le monstre. Moi, ne m'approchez pas de cet endroit. Et vous me sauvegardez. Où est l'auberge? Où est l'auberge? Un plan Huc, merci. Ça coûte giga cher, sauvegardez. Jamais je n'irai dans ton auberge. Allez, en route, mauvaise troupe. Il me semble que c'était vers le nord qu'il y avait le truc. Le col de North Sparrow. Attendez, je reviens.
Phew, ça fait du bien. Ouais, je vous ai laissé sur la carte du monde pour la musique. Ah, petite pause pipi. Salut! À plus loin de la frontière, à l'Island. On y a aussi à Kéa Monstre de la Brume. On n'a pas le droit d'entrer à la voile, la mer de Muse. Elle fait demi-tour. Nous devons rentrer. Je veux dire, allez à Island. Allez, ce sont les ordres. Vous ne pouvez pas faire une entorse au règlement ? Rick, cette fois-ci. Désolé, c'est impossible. Annabelle va nous défoncer. Maintenant j'ai soif. Ah, la danse. Capitaine, je voudrais vous parler. Ah oui. Venez par là avec moi. J'ai suivi Johnny, ça tourne mal. Ah. Ça n'est pas tourné mal. Mais promettez-moi de garder bouche cousue. Hein? Bien sûr. Rina, tu n'as pas... Ah, c'est gentil, capitaine, de dire que pour patient, il faut accepter son offre. Hein? Ok. Rina, que lui avez-vous fait? Rien, nous simplement une conversation d'adulte en cette sous. Allons-y, partons. Ouais. Conversation. À quoi allez-vous de partir? Comment le capitaine peut-il? Je ne dirai rien. Je laisse votre imagination vagabonder. Elle lui a bien sûr pas donné d'argent. Oh non, des boules de voile. Attendez. Se battre. Unir. Ah oui, c'est ce qui intéresse les adultes, non? Le pognon. Oh, est-ce que vous avez des... Non, est-ce que toi tu... Non, tu... je veux que tu t'unisses. Attaque cirque! Non, non, la boule de poil m'a esquivé. Ah, le monsieur, il a du souffle. Hein. Il est déséquilibré. En même temps, t'as vu ce que tu viens de souffler, mec? Moi aussi, j'aurai la petite tour après. Attaque, tour biloule. Gagné. Qu'est-ce que c'est gratuit avec l'attaque de zone gratos? Tu quitteras jamais mon équipe. Sauf si j'ai mieux.
Ce bourrage. Un coffre, j'ai raison. Vous recevez le mur de feu. Quelle est cette eau? L'eau délicieuse. Retrouve et HP et MP. Oh, j'ai bien fait de jamais payer l'auberge. Jamais. Mais c'est quoi que j'ai eu du coup? Ça me saoule. J'ai tout subi. Maintenant, c'est ton tour. Non, je veux pas souffrir. Alors, vous avez vu le dernier chapitre? Très cool. D'ailleurs, j'ai toujours pas commencé la nouvelle saison. Ouais, peut-être que... Je vais mettre ça pour... Bah, y est, oui. Mais bon, comme toujours avec beaucoup de nos héros, on peut passer le premier épisode des nouvelles saisons. Parce que c'est juste un épisode récap ou filaire, ce genre de truc. Ah, ça, c'est très cool en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes au pire pour l'anime. Tu regardes l'anime puis ensuite tu finis en scan. Voilà. Vous recevez pour l'interrogation vase. Genre l'objet vase ou vase dans le sens bout. Vu l'animal, je comprendrais qu'il y ait de la vase sur lui. Par contre, un vase. Un taillissement d'évasion. Et quoi? Jamais offre autre chose que ça. Oh non, de la peinture avec des haches. Quand même marrant les caméras dynamiques pour un jeu où les personnages sont en double. Tiens, on rappelle Goblinson. On se les refera, tiens. Et on va devoir se taper l'écriture du code pour le deuxième, ça va être génial. Quel enfer. Souvenons-nous de ce code à mettre. Soit tu utilisais ce code, parce que t'étais un prolo et que t'avais qu'une seule Game Boy. Soit t'avais deux Game Boy et tu pouvais utiliser le câble Link. Et le câble il est giga long. Pour faire genre un transfert de sauvegarde. Flèche de feu. Mais c'est toujours pas c'est quoi? Alors, est-ce que c'est un équipement? Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Est-ce qu'il a une robe? Je crois que c'est juste des objets. Genre des objets utilisables. Alors, je le mets là, hop. Ouais, ça doit être ça. Ok. Vu que Michel, à moins qu'il ne meure dans l'histoire, je pense qu'on va l'équiper. Et il va peut-être mourir parce que là c'est trop pété. J'arrive pas à équiper parce que j'arrive pas à le remettre. Je quitte tout quand je vais équiper un truc. Ouais, ok. Donc c'est triangle pour venir en arrière. Ok. J'imprime ça, bordel. Bref, cassons-nous. Oh non,
vraiment des abeilles. On s'en fout, ils sont 3. Otto. Ils sont 3, on est 5. Connard. J'aurais dû utiliser une méga attaque. Enfin bon, beaucoup de héros académiens ont enfin fini son prologue, c'est bien non? Le prologue qui a duré 100 chapitres ou plus, je sais plus. C'est à 200 chapitres là? Oh. Non mais Otto, c'est bon. Battre à Otto, hein. Aujourd'hui je pense qu'on va partir mais trop tard, j'ai pas beaucoup dormi et aujourd'hui j'ai pas beaucoup dormi non plus. Donc autant que je me couche un petit peu plus tôt. Oh, c'est à moi. Oh, des bandits. Les fameux bandits A, B, C, D. Et bon lui, ha ha. Pot de vin, t'imagines? Ah oui, je peux. Mais est-ce que je veux vraiment leur laisser ma thune? Non, il a l'air spécial, il a des plus gros bras que les autres. En lui. En 10B. Et son épée est plus grande. En fait, ils vont tous mourir d'un coup. Voilà. Trop fort. Vous recevez un ornement. Faudra aller les faire expertiser. Armure en cuivre. Comme ça dans les montagnes, mais c'est trop bien. Ce que j'avais justement, c'était une robe. Comment ça, je peux pas là? Ah. C'était d'innocent. Allez! Bah, on s'en fout, on est 5. Mais c'est pas gentil, tu fais 19 de dégâts. C'est genre 19 fois plus de dégâts que la plupart des ennemis. T'es un fou. J'ai pas compris comment jouer à ce jeu. On commence à avoir 2000 balles, n'empêche. La vie. Ça va! Ils sont pas morts. Il y a beaucoup de combats aléatoires, non? J'ai fait ça plutôt que faire auto. Et paf! Tout ça alors que j'aurais pu les tuer en un tour avec là-haut. Mais bon, je commence à vers Londres, avoir toujours la même animation. Ah là, je suis obligé. Ils sont 12 000. Mourir les lapins Cooper! Ah, j'ai gagné. Mais c'est grand. Yeah. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bleu. Pot de vin. Je suis tellement riche maintenant après tout.
crois plus sérieusement. Unissons-nous. Attaque, je sais pas quoi. Plein de poches dans les poches. Cristal, Journeyman brille. Voulez-vous sauvegarder? Voilà comment on sauvegarde hors des auberges. Chouette. J'ai mauvais pressentiment. Colline 2. Et voilà. Le monstre des brumes. Et je me suis pas soigné avant. Je suis un gine. Ok. Ah, ça va de finir là du coup. Miss de Shade. Unir. Attaque du fa. Le mec qui bourre toute sa vie. Font mal un peu, non? Enfin, il fait mal. Et il attaque comme plusieurs personnes, donc j'ai le droit de dire ils font. Aïe! Je te sauverai, Joey Jawa! Ah, une flèche de fa. Bah, défends-toi, hein. Rune! Le fa! Tous les S. Ok. Ah, elle a pas de rune. Elle lance des dagues. Ouais. Attends, non. Soigne Jean-Michel Joey Jawa. Ouais. Le feu! Pas mal. Tire à rien, gaming. Il prend cher, Joey. Vous vous calmez là, monsieur. Je vous somme d'arrêter. Oh, il a des boobies maintenant. Énorme. Excusez-vous. Sonka Joey Jawa. Haleine de feu. Arina est ici sur toi. Hein. Ça va mal finir. Dire qu'il a juste attaqué deux fois le même perso et puis hop, il gagne. Parce que bon, Joey se prend du 37 de dégâts à la face et il a que 53 de vie. Attaque. C'est la seule personne qui va attaquer. Mais tu sers à rien en fait, gamin. Ah, c'est bon, il est débile. Il est moins fort. Ah, shit. Tu veux redevenir comme tu étais avant? C'est bien. Bon, en loot, on casse des bouches. Une défense. Une rune. La fin.
Ça fait si mal, le Fa. La rune de Fa. Ah, tu as moins de dégâts que tout à l'heure. T'as l'air de toujours vouloir attaquer les mêmes, c'est fou. Là, juste à les mettre en def, et on s'en fout. Ah mais bon, Joey Joa, il est en train de crever. Quel sang, si t'enlèves la CDE, ça fait quel con et quel... Sinon, Night Eye est en train de crever, si ça t'intéresse. Attaque. Ah, j'ai peur de rune. Y'a pas de rune. Bon, ça devrait plus être très long. On aurait dû acheter des équipements. Mais alors vraiment. De toute façon, ça va, il a pas l'air d'attaquer deux fois les mêmes. Et là, il le fait. Enculé. Oh. Bah, se battre. Et... Salut Besrag. Eh merci. Bah le jeu est bon donc ça devrait aller. Pourquoi ce connard a pas d'objet? Oh. Tiens, soigne ton petit frère. Attends mais du coup, je suis plus sûr de qui j'ai soigné là. Chacun se soigne lui-même et nique. Tu soignes ton petit frère. Compliqué tout ça, tu veux pas changer de forme et reprendre la forme nulle qui fait des dégâts à tout le monde? Non, tu veux pas. Tu veux juste nous faire du mal. D'accord. Pas très gentil. Oh, Joey il a besoin de se soigner. Oh bête toi manqué. Bon tu meurs le boss. Merci. Ah l'obéissance quoi. J'ai gagné! Vous recevez énormément de thunes! Et des gouttes gentilles! Oh, c'est mignon, sauvegardons. Ça faisait peur! Tu avais raison, Rina! C'est bien d'avoir Conan et son ami avec nous! Ah, si, vous étiez mort sans nous! Ça faisait très peur! Conan 2 et moi, nous aurions faire tout seul non plus. J'aurais pu faire ça tout seul non plus. Y'a de faim. Eh bien. Il faut continuer. Je crois que nous sommes bientôt arrivés. Je crois que j'ai le point de sauvegarde, moi. Je crois, hein. Vivement qu'on est le sixième membre, bah oui, c'est bien. C'est pas limité qu'à trois persos. D'ailleurs, c'est dans quel dossier qu'il sauvegarde cette merde? On est bien là en fait. Non, pas du tout. Faudrait peut-être que je remette des remèdes dans leurs équipements. Putain, mais j'en ai marre je vais revenir en arrière d'une seule fois avec le bouton carré alors que carré ça retire tout. Ah, mais spécial en fait. Du silex. Encore ? Ça va servir plus tard. Ça va, toi t'en as 4. On a un, déconne pas. Retirer. Ah j'en ai plus en fait.
Ah ouais, soigne automatiquement la conscience. C'est à moi. Au cas où il quitte l'équipe juste derrière. Le reste, on s'en fout. Ah, on s'en fout. Des runes. Excusez-moi, je vous dépouille. Ah, on peut pas. Je suis très triste. Du coup... Comment ça fait qu'on là on les voit encore? Bah oui, du groupe. Pourquoi je peux pas lui remettre? Et pourtant j'en vois encore, regardez. Ah, il faut que j'aille là, puis équiper. Pas réunir les trucs qui sont pas moyen, visiblement non. Je suis obligé de finir le stack en fait. Je pense que c'est parce que c'est une bouteille avec plusieurs doses, ça semblerait cohérent. Oh. Tiens, tu peux prendre ça. Ouais, il y avait un truc là, non? Je sais plus s'il était tout près ou loin le truc de vie. Alors, on te ferait mieux de sortir en fait. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Auto. Paf. Par contre, ils ont évité plein d'attaques, c'est con. Je déteste. Nom, 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 nom. Du pognon. On ferait mieux de racheter des stocks, nous. Bon, on se casse. Ah. Attaque Buddy. Je redis à plus mon personnage Joa. Joey, Joa. Mais bon, je ne vais pas savoir à l'avance. Epic Winner. Du pognon, toujours plus de pognon. J'aime le pognon. Me faites chier les abeilles. Courir. On est plus puissant que vous. En fait, il y a un personnage qui te suit que si tu n'as jamais fui de ta vie. Et là, je vais tout niquer. Très tellement bien. J'ai tellement râlé. De toute façon, si je loupe techniquement, je peux pas savoir que je l'ai loupé. Non mais c'est le genre de jeu où... c'est compliqué d'avoir tout le monde. Attendez, c'est pas un cul-de-sac là? Mais laissez-moi tranquille les lapins. En plus, pourquoi vous êtes pas 6? La TV, ça aurait fait plus de thunes. Et là, j'ai lancé l'attaque sur mes coéquipiers. Oups. Tiens, t'es drôle. Pour tous les dégâts qu'on fait, c'est l'OS direct. Paf. Les lapins, ça rapporte, en tout cas. Ouais, mais du coup... Je pense que ce serait plus à droite. Ouais. Bordel de merde. Unir. C'est pas ouf. Je pense qu'il y a à droite. Parce que juste un cul-de-sac avec un coffre au bout. Bah voilà. Un chapeau de plume. J'en ai déjà. Mais va pour Joey Joa. C'est vrai que j'avais lancé à Bandana aussi. J'avoue que ça aurait pas été déconnant. Bon, on peut pas changer leur stuff. On peut pas les foutre à poil en mode... C'est à moi. Après, ça m'a pas empêché de lui voler un truc, hein.
Merde, t'as des jambières, donne-les-moi. Je veux tes boîtes. Le reste, on s'en fout un peu. Oh, que les gars. C'est le mec qui dépouille les gens. Ah, mais c'est à moi ça. Hein. La cape, c'est de la merde. Unir, attaque Buddy! Ah, je fatigue un peu là. Un peu beaucoup. Trop de combats aléatoires, laissez-moi avancer. Bon, c'est où qu'on achète les herbes de repousse? J'ai pas accès au diagonal donc c'est nul. Encore pas au nord et on verra la ville de Caro. Alors allons Coden 2. Alors c'est ici que nous nous séparons. Oh j'ai bien fait. Oh j'ai tout volé. Ah oh, je suis un connard. Après je leur ai laissé des remèdes, je suis gentil. Mais on se sépare pas là. C'est faux, pourquoi vous mentez? Vous êtes toujours là. Ah, c'est vous de mon équipe. Bande de menteurs. Saltamanque. Oh, plein de petites poules poilues. Plus, on n'a pas besoin de nous, on a une attaque buddy. On a vu 12 000 fois depuis le début. Yeah, level 7. Il y a un truc par là du coup. Ah mais on ferait même pas regarder, hein, ça sert à rien. Non, pas des lapins. Il y a pas un truc pour réduire le nombre de combats. De l'antitoxine. Bon bah go. Quel joli terrain vague. C'est donc ça, mon village natal. T'imagines? Le village n'a jamais existé. Quoi? On a tout de même réussi à rentrer à Coden nu. Ah, c'est ça votre ville! C'est super beau! J'adore ce mur! Ah ça, on sait pas, moi je... En compagnie, c'est très agréable. Surtout le moment où on te garde. Alors, où habitez-vous? On pourrait passer la prochaine fois qu'on sera dans les parages, vous pouvez aller. Eh bien, ma maison est au nord, au bout de cette route. Et celle de Conendu est vers l'ouest. Sur la gauche de ce sentier. Ok, merci, à plus tard. Prenez soin de vous. Ok. Ah, Conan 2. Ce chef des mercenaires m'inquiète. J'ai tout droit chez moi. Nanami t'attend sûrement. Alors tu devrais rentrer aussi. Sois prudent, d'accord? A plus tard. Au revoir. C'était cool de te voir, Poto. Je suis à nouveau seul. Ça va être la merde. Rien. Ben rien. Et ben la suite. Oh. Rien. Ah ah, douve d'entraînement. Grand vase mis à l'intérieur par punition. Ok. Ceci est un tabouret. Cette maison est vide. Sac de riz. Pot rempli de sauce soja.
oignon vert. Porte de derrière. Mais elle était pas là. Oui, c'est moi. Paf. T'es bien, t'es bien. T'es pas blessé. Elle t'a tué. T'as tout le monde arrêté de tuer. Voilà, il est mort. Oh mon dieu. Je me suis fait tant de soucis. T'es vraiment bien. T'as mangé des trucs bizarres. T'as vraiment eu l'espion, Greta. J'ai trop déparlé de l'attaque surprise. Ils me disent que ces espions travaillent toujours par deux. Ils sont recherchés par de nombreux soldats. Ils devraient être honnêtes en réalité. Oh, en fait, il est duré. Il est bien. Il est bien. C'est vrai. Merci. Merci, mon dieu. Alors, allons être ensemble. Ensemble. C'est ridicule! Mais il y a toujours un espion! C'est ridicule, non! Et. Et Capitaine Rod! Et il a demandé que tu le signes sur le. Que tu le signes à ton retour! Il faut s'enfuir, Capitaine Rod! Ne fais pas! Qu'importe ce que tu as fait, Capitaine Rod! Je serai toujours avec toi! Partons maintenant! Tu es là! Ouais, il a l'air déjà saoulé. Tu veux quelque chose là, Conanda? Il faut dire au papier gâté, Kangaku. Oh, aussi. Papier Kangaku. On reviendra peut-être jamais, mais s'il te plaît, protège Conanda, protège-moi, merci. Nous sommes prêts, allons-y. Un ami rejoint le groupe, vous voulez déjà la tuer. Ah, cette magnifique trace qui est restée. C'est moi. Oh, du coup, il n'y a pas d'étage ici. Salle de sémeur. Bon, bon, bon. C'est bien vous, Kanan 2. On vous arrête pour espionnage de la ville d'État de Jonestown. Jonestown. Ah, venez, calmement. Et paf, on perd. Te battre. Unir. Attaque familiale. Hein? C'est un seul gars. Plus ça déséquilibre Nanami. Bon bah. Pourquoi l'attaque familiale elle est moins bien que l'attaque body? Qu'à la dignité. Elle se zoom. Seul Nintendo 64. Non, seul la Super Nintendo est capable de faire un tel zoom. Oh. Ah. Auto, oui, exactement. Paf. S'il en reste un qui survit, on fait attaque familiale. Ce timing, genre les deux sont morts. Pouf. Et niveau 5, t'es nul. J'ai bien fait d'améliorer l'arme que de Coden. Ça fait longtemps qu'on est deux. Rien calmement. Mais là pour ton vieux capitaine. Non. Pourquoi? Bah la thune.
totalement là-dessus, mais bon, ok. Réalité est complexe. Plus rien n'est noir ou blanc. Assez parlé, saisissez-les. Non, secours, laissez-moi. Retirez-moi cette patte à moi. Eh bien, je suppose que tu ne me crois pas. Ah, c'est vrai. Tu as été mon fils indigne. Mais c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un Atreide. Pourquoi? Pour ne pas croire ce que je dis. Je suis ton fils, non? Je sors dans mes veines. Et dehors de regarder, Joey. Pour moi, quelqu'un qui a trahi ne peut faire partie du clan Atreide. Le mec s'appelle Marcel et il ouvre. Ok, ok. Hé, hey, viens! Adieu, grand frère. Tu n'es plus mon grand frère, Joey. Adieu. S'il vous plaît, mère. Je veux la voir. Je veux parler à ma mère. On a dit qu'elle ne veut pas te voir. Menteur! Menteur! Arrêtez! Laissez-moi partir! Je veux voir ma mère! Ok. Tiens, encore une cellule. Conan 2, un ami, t'as arrêté aussi? Oh, qu'est-ce qu'on a pu? Mais pourquoi ils nous prennent pour des espions? Ils sont vraiment cons. Je vais te raconter. Le capitaine? Impressionnant, vivant après un tel saut dans la rivière. Vous avez dû bien plier les genoux. Où avez-vous? Et cette attaque de l'État? Qui est cet homme? Et oui, qui est un Codendu. Un jour, je me bloquais sur un des noms. Joey. Cet homme, le prince du Cab Light, de Highland, a beaucoup d'ambition. Moi aussi, j'ai de l'ambition. Le prince? Pourquoi un membre de la famille royale? Pour réaliser son ambition, Lucas. Blight avait besoin d'un sacrifice. L'État a massacré la myriade des jeunes de la Royal Island. Ce sera suffisant pour mettre la foule en délire. Alors, d'après toi, jeune fille, ces monstres à la vie de l'État ne sont-ils pas horribles? C'est-à-dire, j'avais cru que Conan-Doo et Joey avaient été tués par l'État. Pourquoi elle sourit quand même sur sa miniature? T'as leur pardonner, mais je sais pas! Exactement. Mais s'il n'est pas découvert, un mensonge devient la vérité. Le prince Lucas doit exciter les gens pour réaliser ses plans. Moi aussi, j'ai de grands plans. Je veux pas être capitaine d'une bande d'enfants. Je veux un travail qui rapporte de l'argent. Je savais que c'était l'argent, je le savais. Yeah! Pour cela, vous devez passer pour deux traîtres dangereux et mourir. La vérité sera enterrée avec vous. C'est... On peut pas faire ça! Pour ça, vous avez tué mes amis, pris leur vie. Ils n'avaient pas de nom ni de skin, mais c'était mes amis! Pardonnez-moi, je ne peux pas en dire plus. Bon, et alors? Un Captain Brown, vous savez. Bon, vous deux, ce sera une mort terrible. Pour la demoiselle aussi, ma foi, on n'échappe pas à son destin. Bon sang, on n'y échappera pas. Monsieur.
Sinon, fin du jeu. Ah bah, c'est bon, ça se finissait en 3 heures. T'imagines. Le RPG, c'est un film. Qu'est-ce que c'est créé ? Par ici. Ils ont capturé les espions de l'État, mais ils l'ont conduit à l'échafaud. Je vois. Ce sont que des enfants ? Comment peuvent-ils être espions ? Je suis inconscient. Mangez-vous! Combien de vies ont été emportées à cause de votre traîtrise? Sale gamin! Silence! Princesse? Princesse? Eh bien, rappelez-vous ceci. Colin 2 et moi n'avons pas trahi ce pays. Ce pays nous a trahis. Je ne le pardonnerai jamais. C'est pas possible. Avez-vous dit? Vous savez à qui vous parlez? Bah, t'as dit princesse, connard, on sait. C'est bon, laisse-le parler. Après tout, on n'a pas pour longtemps. Les animations sont meilleures que dans Final Fantasy 7. Ce sera votre punition pour avoir trahi votre mère patrie Highland et pour avoir bafoué l'honneur de la brigade Unicorn. Avez-vous un dernier mot? Vous êtes un salaud! Bon, je suis très digne à mourir. Là, regardez ce coucher de soleil. C'est le dernier que vous verrez. Je pense qu'il fallait rien dire, mais bon. Pour moi, ce n'est qu'un coucher de soleil de plus. Pourtant, je crois que ma vie aussi va changer après celui-ci. Jusqu'à présent, je devais surveiller une bande de mômes. Mais à partir de ce soir, il y a la malchance pour moi. Avec cet exploit, mon futur est assuré. Je serai bientôt capitaine d'une vraie armée dans ce secteur. Hein ? Ah, désolé ! Mais on dirait que le chemin qui mène à votre succès fait un détour. Toi, c'est arrêté de regarder le ciel, sac. Hein? Bah, on vient attraper enfin. Espérons qu'on n'a pas interrompu quelque chose d'important. Il ne fallait pas fuir ainsi. Cela m'a tellement étonné. Pourquoi? Hein? Vous comprenez pas, vous étiez mes prisonniers. Je peux pas vous abandonner comme cela. Le type est une vraie fouine. Possible. Paul est venu me supplier de sortir vos marrons du feu. Hé, hey, attendez! Bon Dieu, il s'est enfui. On a pu l'avoir il y a quelques années. Attendez, attendez un instant. On a mis un ennemi, il est enfermé dans la cellule. On peut pas la laisser. Allons sauver d'un ami. On joue RP, c'est sa sœur après tout. Hein. Sinon, j'aurais choisi ça. Hein. Bien sûr qu'on a deux. Je comprends, c'est amusant. Depuis quelques temps, j'avais le corps comme du plomb. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous avez la manie de fourrer le nez là où il ne faut pas. Joey rejoint le groupe. Victor rejoint le groupe. Avec un K parce que c'est plus cool. La même chose pour le flic. Oui, bien sûr. Ah non, elle est bien l'information. Genre, ils ont 200 PV. Ok, ok, on a compris. On a 70. On a compris, on est des merdes. Ok, flic Joey. Colin 2, on y va.
Oh non, fonce pas comme ça. Ok. Mais il fonce pas, là, il marche. Tu préviens, sur moi, sur tout mon passage. Je serai connu dans la journée. Ok. Ah, pas besoin de te sauver, c'est bon, on peut se casser. Oh, je vais me passer. Qu'est-ce que... Attendez Ok, tenez pour mon calendrier. Joey, je vais tout sauver. On aurait dû se casser. Salut. Attendez une minute. Calendrier, Johnny. Ah, t'es resté en anglais pendant un mot. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous exécutez? On est venu te... délivrer? Mais quoi? C'est marrant, j'étais aussi venu me délivrer! En fait, ce moment tout à l'heure, c'était quoi? Ah! Rien d'important! Il faut sortir d'ici! C'est tout! Nanami rejoint le groupe. Non... Après, je peux mettre les deux Jean-Michel devant. Hein. C'est pas déconnant. De l'air tellement plus balèze. Ah, je vais voir dans les prisons. Un bouclier. Rien à looter. On va pas trop tarder, hein. Un seau plein d'eau. Rien à looter. Ah vous, vous n'avez pas besoin de frapper si fort, hein. C'est pas gentil. Un sac plein de sable. Cassons-nous. Oh, une porte. Salut! Oh, c'est quoi de mieux, Joey? Mon frère n'est pas encore là? Il est mort? Dans du pays lointain. Buffet. C'est pas inspectable, ok. Journaux de voyage. Livre de médecine. Aïe. Salut. Enfin, j'espère qu'ils sont là bientôt. La première journée avec moi. Il est mort. Où est Canon 2? C'est vrai que vous avez pris. Comment il se casse? Non. Ça va? Mais... Fais vite avant qu'elle bloque la sortie. Nous... Je vais prendre tout mon temps. Parce que nous sommes un RPG. Salut. Les enfants! Vous avez la vue? Vous êtes de 5 minutes? Waouh. Ah, vous avez entendu? Je vais attraper la gueule de frappe. Pourtant, son père avait tout fait pour lui. Mais comment voulez-vous qu'on espion? Certains disent même que ce n'est pas un train. Ah, les commérages. Nick, est-ce que...
capitaine Raoul a réussi. Il a arrêté ces lâches espions. La ville est fière de lui. Ok. Je crois qu'il n'y a rien à looter. Hein. Là, c'est décoratif. En plus, il y avait un escalier là. J'avais pas vu. Je croyais que c'est un tapis dégueulasse. Bonjour. Je vais s'échapper. On dit qu'ils ont raté les traîtres. Je respire maintenant, hein. Vous êtes les gars de tout à l'heure. Il s'en fout. Mais que c'est qui, Joey? Je l'ai pas trouvé. Porte bien fermée. Bref, allons à l'entrée. Arrêtons de déconner. Oh, il n'y a pas l'air d'avoir de boutique ici. Hé, hey, ce sont eux. J'ai où en fait? J'ai suivi. Oh, une auberge, trop bien. Excusez-moi. Mais c'est pas si cette racaille de l'état, je me mangerai. Traité de paix, ah, avec c'était faux. Y'a quoi là? Y'a quoi là? Des gens. Plein de gens. Arrête! T'as l'air bien démarré! Hé, hey, alors, tu voulais t'enfuir? Moi aussi, je hais la guerre. Oh. Un cobalt. Ah, c'est vous qui les avez armés. Comment avez-vous réussi à vous évader? En cognant tout le monde. Tout simplement. Du coup, vu que c'est pas l'entrée, ça doit être par là à gauche. Allons voir la tombe de grand-père. Non. Ah, j'ai prié. Peut-être que si on laisse notre sœur creuser la montagne avec ses poings, ça fonctionnera. On a rien par là du coup, vraiment. Sautons de la falaise. Non, d'accord. Il n'y a pas 36 endroits où je peux aller de toute façon. Si je piffe, ça va finir par trouver. J'ai totalement oublié. Ah, logiquement, Nikonor s'est fermé. Pourquoi on casse pas juste la gueule aux gardes en fait? Ah, cette fille était mignonne, hein, là. Je vais être prudent. Il faut pas la mettre en colère de nouveau. Eh, ce sont eux! Vous savez, on les giga fort, on peut les défoncer. Hein. Mais c'est là en fait. Vachement, ok. Attendez! Par le nord, c'est impossible! Prenons vers le sud pour qu'il est encore temps! Je viens d'aller là. Regarde, il y a pas. Hey, ce sont eux! On a. Ok! J'étais comme ils l'ont dit, hein. Et mais. Par là. Et la rivière, on peut pas marcher dans l'eau. On peut pas salir les bottes. Pas cool. C'est rien pour passer, ok. Et je suis allé au sud. Là on peut pas y aller. Ah. Bonjour. On dit qu'il s'en fout. Mais me saoule gamine. Lol, c'est trop dangereux vers le nord. Allons vers le sud. Vers le sud. Ah, tu peux pas passer.
Ah là. Ce sud-là, d'accord. Et que c'est l'ouest un peu. Eh, attendez une minute. Colin 2. Je pense que nous reviendrons ici un jour. Il n'y a pas de marchand, donc non. Je ne veux pas revenir. Ça pue du huc. Ouais, on reviendra un jour. Tu crois? Tu as raison. Alors, c'est un petit au revoir. Eh, il faut partir sans regarder derrière. Ok. Ah voilà. J'ai gagné. Y a quoi par là du coup? Ah, ça me bloque. Ah, des araignées. C'est quoi ça? Ah. Araignée et son groupe étaient-on laissés partis? Ok. Ils m'ont laissé partir et tétons. Ok. Pourquoi ça a changé? C'était fuite ça, non? Enfin, courir. Donc la sienne c'est fuite maintenant. Bon, monsieur, avez-vous une nouvelle attaque éclair, unir. Attaque en croix. Comment sur une personne, d'accord. Unir. Ouais, je vais trop faire l'attaque de la familia. Trop de la merde. Attaque en croix. Ah oui. Ça pique un peu. Peut-être sans partir là-bas. Ok. Trouvons un expert. Qu'est-ce qui se passe si je rentre dans la ville par le nord? La ville de Chiaro. Salut. Tout il est tranquille. Bienvenue. Oui, ça va, parfait. Et c'est mon agent et partez d'ici. Carrément. Oh. Ça a l'air bien. Pas ouf, mais ça a l'air bien. Le sac. Ah, des protections pour jouer, c'est hyper important. Mais laissez-moi tranquille, messieurs. La 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 la. J'ai envie de vous parler, vous servez à rien en fait. Oui, j'ai réussi à m'évader. Oui, on est fort. Ou alors c'est eux qui sont nuls. Excusez-moi, je cherche un magasin d'armes. Un tonneau seul. Ah, le fameux. En opposition avec le tonneau tout groupé, quoi. Il n'y a pas de marchand d'armes, en fait. Oh. J'avais raison en disant qu'on viendrait pas. Et on viendra un jour. Non. Ah oui, bien sûr qu'on viendra un jour. Voilà, on est revenu. Attends, on viendra plus jamais. Je sais pas où je vais. Hein. Je pense qu'il faut retourner à leur camp de base de ces cons, de ces morts là. On a même pas regardé s'il y avait une attaque avec Nanila. On va regarder. Ça fait frais. Et paf. Hein.
On n'aura jamais de sixième perso, c'est ouf. Ça mène où ça? C'est loin. Bon, juste pour voir si la gamine a une attaque avec Jean-Michel. Elle peut pas s'unir, regardez. Je peux pas juste changer de perso en fait. Alors change choisir. Directement. Ok, du coup elle a pas d'union avec les autres, ok. Ah ils sont pétés hein. Genre on a chopé Titania Fire Emblem. Genre ils sont level 20. Vous recevez de technique. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une technique, connard. Qu'est-ce que c'est? Vol argent 40%. Ah, c'est une gemme à mettre sur l'arme, c'est ça? Quoi c'est à cet endroit? Ah, rien. Ok. Bien de la thune, on va devenir des monstres. Ils vont changer en thune. Allez, attaque buddy. Hey, bass buddy. Ouf. On va encore aller à des endroits inutiles pour rien. 100% ça. Oh, chemin. Ah. Ah. Auto. On va le faire, on est 5, ils sont 5. Ah, parfait. Antitoxine. Amène-nous ça. Le col de Tarzan. Rassurant. Bah, du coup, tu sais pas si c'est là. Salut! Eh hey, vous! Personne n'a le droit de passer au-delà de ce point. Ok, monsieur. On a compris, c'était pas là. Du coup, quand est-ce qu'on va revoir Romance Man? On va aller faire caca chez Paul. Vous êtes 4, vous êtes mort. Ah, ils ont esquivé, ils sont trop forts. Ils sont méchants ces lapins avec des haches, hein, c'est ouf. Pourquoi ils essaient de me tuer? Pourquoi ils ont des haches? Ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'est ça? C'est peut-être la référence. Du coup, on repasse vers le mont Sparrow. Hein. Je sais pas où aller. Aussi simple que ça. On va retourner à leur camp de base. Ça a l'air d'être une zone centrale. Il y a plusieurs chemins pour aller à plusieurs endroits. Contre super, on retourne en arrière quoi. Oh non, les méchants qu'on a fui en fait c'était des gentils. Ah c'est bien une source d'eau vers le bas. On saura jamais où. Au secours, on vient de faire deux pas. Laissez-moi tranquille. C'est quand même bien les jeux où on voit les monstres sur la map, vous trouvez pas? Vous recevez Bento Sol Level 5. Ok.
Il n'y avait pas un chemin. Nous gardons d'ailleurs, ça fait un moment. C'est pas déconnant. Alors, l'accident ici est arrivé. Autant les monstres sont gratuits, mais les boss ils peuvent te tuer. Par contre, j'aime pas trop la sauvegarde qui est sur le C là. Ni que toi. Pourquoi je fais ça? J'ai une attaque buddy. Qui va jamais rien faire d'autre. Et c'est loin. Oh, plein de loups. Dès-le. Il nous avait fait mal quand il n'y en avait qu'un. Mais on va les OS. Parce que c'était déjà le cas avant. Vous recevez de la thune. Vous êtes riche. Mais pas tant que ça. Laissez-moi tranquille! Ça vous a pas suffi que je tue tous vos potes? Après, c'est cool, ça fait de l'argent. Je crois que là, c'était vers la gauche ensuite pour la fontaine de vie. Allez, go. Paf. Vivement une nouvelle attaque. Et vivement qu'on puisse enfin mettre des runes. Surtout. Là, on est toujours pas sorti du tuto. Mais c'est mieux que Dragon Quest Monster Joker. Et son tuto infini. Infini. Tiens, après 6 heures de jeu, tu vas débloquer les fusions. Cadeau. Au fait, des maps trop grandes. D'accord, tiens, prends. Je pense qu'on va plutôt se refaire le Dragon Quest 8. Je pense que c'est bien. Bien Dragon Quest 8. Ou le 11 en version machin, là, S. Avec les ajouts. Il joue en mode 2D, on va faire croire que c'est un jeu rétro. Ouais. Non. Même si c'est la version Switch, il est quand même joli. Dommage de passer à côté. Amengrasé. J'ai vu cette attaque quelque part. Voilà. Tout va bien. Je ne payerai jamais l'auberge. Ils sont 12 000 Par contre, vraiment, dans les jeux où il y a des combats aléatoires, faites en sorte qu'il y ait moins de combats contre des mobs de bas level quand on a trop de level par rapport à eux.
serait déjà beaucoup mieux. Oh, si Sam ou les ennemis ne veulent pas te voir. Il est trop fort, ne l'approchons pas. Parce que, au secours, quoi. La zone, on aurait pu la traverser en littéralement 2 minutes, et là, ça en fait moins 10. Après, ça fait de l'exp, c'est bien. Bientôt, on sera le level 20, le temps de sortir, en fait. Et en fait, c'était pas du tout le bon chemin. Quoi ? Et pourquoi ? Voilà, c'était le bon, en fait. Un bon travail, messieurs. Oh, Victor, ça va ? Soyez plus raisonnable. Désolé pour cela. Ah bon, ça va, puisque personne n'est blessé. Mais Simus sait que les soldats sortent et rentrent de Highland, ça ira mal. Ce sera notre petit secret. Peut-être que vous croyez que c'est bien d'avoir laissé ces gens-là passer le poste. C'est-à-dire que... Ça va, ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit, tout le monde est sauf. Ouf. Comment va la jolie demoiselle? Ouais, on dira pas que t'as fait des choses avec une madame. J'aime bien comme les personnages passent en cours sur pattes quand ils sont sur la map du monde. Oh, c'est nouveau, ils sont trop mignons. Des pics verts qui sont jaunes. Si tu veux le jeu. Par les monstres qui deviennent de plus en plus puissants dans la zone, putain, il y en a. Oh oui! Ah, si tu prends Chrono Trigger, on n'oublie pas d'utiliser mon lien Instant Gaming. Comme ça, vous gagnerez 3%. Énorme. Alors que ça va juste remplir le porte-monnaie Instant Gaming et ça sera jamais versé vraiment sur mon compte, quoi. Non, je sais plus si j'avais fait une commande. Ah mais justement, Instant Gaming n'est pas obscur, il paye même des impôts. Ah, un système obscur serait plutôt G2A. Bah, en fait, Instant Gaming reçoit littéralement des clés de vrais vendeurs. Hein. D'après toi, pourquoi il n'y a plus de jeux Nintendo dessus depuis que Nintendo a arrêté d'enfiler aux vendeurs? Justement, Instant Gaming est légal. Ouais, bah, il paierait pas des impôts en France. Il serait un peu niqué, tu crois pas? Donc, quel est votre commerce? Tu déclares pas ton commerce s'il est légal. C'est un peu un... C'est tailler les veines, quoi. Pas où je vais, en fait. Je suis la route. La plupart du temps, c'est pas énormément moins cher que sur Steam. Puis je déconne pour le lien Instant Gaming. Il est là depuis le début, mais personne l'utilise, donc on m'en fout. Justement, là, tu ne m'en donnes pas.
Tu me payes même pas plus cher. Juste que je reçois 3% du truc, quoi. Je sais même pas s'il marche ce lien. Où je vais? Bref, je voulais retourner à la base des connards. Et pour ça, il faut trouver la bonne route. Oh, ils sont trop mignons. En fait, tu en es de base. De toute façon, 3%, waouh, je vais gagner 15 cents. Après, bon, 15 cents, c'est la moitié du prix de Two World 2. Hein. Dans l'autre. Mais laissez-moi me casser! Leur base doit être quelque part par là. Oh. Au secours! C'est bon, m'en aller! Paf! On n'a rien vu de l'autre. Hein. J'ai tellement d'objets, j'ai tellement de choses. Au secours! Bon, du coup. J'arrive plus à retrouver leur base, putain, et c'est loin. Oh, il y a les bits, c'est bon. Yeah, on l'a retrouvé. Porteur des Merceurs. Exactement. Ouais, on a revenu en noob. Ah, ça y est, nous sommes chez nous, c'est agréable d'être de retour. Merde. Vous ruinez pas. Après tout, si vous êtes à la rue, vous pouvez pas donner plus d'argent. Faut être corpo. Wow. Quoi? Ce vieux machin? Attention à ce que tu dis. J'aime ce fort. Il y a un certain charme. N'est-ce pas, Coden 2? Oui. J'en doute. Un enfant ne peut pas apprécier cette beauté. Bon, je vais retourner à... je me repose. Un instant. Vous devez être fatigué aussi. Reposez-vous. D'accord, je vais dormir. Et vous voulez quelque chose? Demandez à Léona, celle qui s'occupe du bar. Nous sommes prisonniers. On dirait. Hein? Ah oui, c'est vrai, mais... Vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition d'être raisonnable. N'oubliez pas de retourner dans votre cellule et de bien fermer les rapports derrière vous. Vous voyez à les recruter, il nous faut toujours des nouveaux. Ne t'en fais pas, les choses vont se calmer. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir au moyen de rentrer à Island. Ah, la terre des Islanders. On les a un peu bloqués, du coup ils étaient en mode « on n'arrive pas à passer !» Je te recrute. Ha ha. Et quoi? Emlo, travaille, jure, travaille pas. Ok. Je recrute ce cheval démoniaque avec ses yeux brillants. Regardez-le. Il est démoniaque. Démoniaque. Donc là, en gros, ils nous disent
Casse-toi, mec, et va recruter des gens. Ok. Je recrute cette personne. Mais que voulez-vous ? Ah ! Tu me laisses en arrière ? Oui. Oh. On va prendre Gengen, hein. Du coup, c'est quoi les trucs? Genre, j'ai vu des lettres à côté. Comment elle s'est décalée en mode hein? M-M-C. Oh, ça doit avoir un rapport avec quelque chose. La précision. Peut-être un gars recruté dans la cave. Lui, là. Hé, Kodendu. Qu'est-ce que c'est? Déjà fini pour aujourd'hui? Pourquoi t'as pas sauvegardé, hein, espèce de connard? Il est bête aux 6 heures, ce serait peut-être temps de se stopper. Surtout qu'on a atteint un point tranquille du jeu. Bon, après, on sait pas du tout où aller, donc je pense qu'on va se balader dans les villes et voir s'il y a des gens à recruter. Voilà, aujourd'hui, faut que je me lève tôt. Il faut vraiment que j'aide d'aller dormir à 10h du mat ou à 9h, alors que je dois littéralement me lever 30 minutes plus tard. Buvons. Santé, de toute façon il n'y a plus de Schweppes. Merci Owen. Je vais sauvegarder ou pas? Le mec il sait plus. La bouteille voulait se tirer. On a joué 3h25 hein, au jeu, visiblement. Sauvegarde. Mais re-sauvegarde-le. Alors, vu qu'il n'y a vraiment rien d'affiché en dehors de la bande d'écran, je crois presque ça correctement pour la prochaine fois.